Alors, la collection printemps-été, comment ça se passe, Christina Cordula? Alors, nous sommes très colorés. Le vert, il est très tendance. Le vert est très tendance. Elle est en noir et en bleu, dites-moi. Ah oui, avec des bottes rouges. Ça fait longtemps que chez moi, le vert, il est tendance. Pierre, surtout les bottes rouges. Ah oui, les bottes fashion, rouges. Faut ah pas. Les rouges, les magnifiques, la tendance western, c'est super à la mode. C'est pour ça que j'ai ma petite Santiago rouge. Tout va bien. C'est la tendance western, ça devrait vous plaire, monsieur Perroni, les bottes rouges. Ça dépend par qui c'est porté. Non, mais je crois qu'elle ne pas. Alors, si c'est porté par vous, ça, c'est un fashion faux pas. Mais en général. T'as vu les tiags que j'ai, mes mères? La doudoune, là, c'est tendance, la doudoune, là. C'est pas c'est sympa. Super plouc, là, attends. Mais alors, mes auditeurs que nous écoutons là, je dois vous dire que je suis entourée des fashion faux pas, qu'ici, nous avons des couleurs tristes, ternes, et que, sauf ma Valérie Magnifique avec un bleu qui rejoint Valérie, la couleur de ses yeux. Les doudounes de Valérie ont toujours été très appréciées. Et puis j'ai jamais pu les mettre dans un placard. Quant à vous êtes injuste quant à votre ami Stéphane Plaza qui lui est quand même en blanc. Blanc. Oui, blanc, et puis virginal. Il est en pleine forme parce que il a t'as maigri non chérie? Oui, j'ai maigri et puis surtout, je lis beaucoup en ce moment. Bah du oui, Hemingway l'autre jour. J'ai décidé de sonner le glas pour tous les autres auditeurs. Voilà. Et surtout, j'aimerais qu'on puisse commencer pour que je puisse enchaîner les bonnes réponses. Car le nouveau Plaza est arrivé. Je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Ah, le nouveau Plaza est arrivé. Oui. C'est le sultan de Brunei qui l'a racheté. C'est vrai aussi. Voici donc, puisque vous le réclamez, monsieur Plaza. Merci. Première citation pour Flavien Grainera, qui habite Renel en Haute-Marne, qui a dit, quand on dit d'une femme qu'elle est assez jolie, c'est que justement, elle ne l'est pas assez. Ah, français. Ah bon, je suis pas c'est d'accord. Français, oui. Vivant. Vivant, non. C'est un écrivain? Ah oui, écrivain. C'est un humoriste? Dramaturge. Avec beaucoup d'esprit. Français. C'est pas Pierre Dac. Marcel Achard. Pagnol. Quelqu'un qu'on n'a pas cité depuis longtemps dans cette émission et pour cause. Académicien français. Attendez, non. Et pour cause. Et pour cause, vous nous mettez sur la voie. Oui. Il vient de mourir? De quoi donc? Oui. Non, vous dites et pour cause. Quoi c'est et pas pour cause? Et pour cause. On n'en parle pas beaucoup et pour cause. Non, j'ai dit il y a longtemps qu'on n'a pas cité dans cette émission. Et pour cause. Et pour cause. Et pourquoi vous citez aujourd'hui? C'est ça qu'il veut dire. Ah non, pas du tout. Non, ah c'est bon, parce que. On comprend pas le c'est et pour cause. C'est parce que son nom doit être un peu genre cause quelque chose. Ah, d'accord. Non. Ah, pas du tout. Ah, ah non, mais alors, donc le et pour cause n'avait rien à faire ici. Si, vous comprendrez quand vous aurez le nom. Et c'est un homme? Académicien français, non. Alors, c'est il est mort il y a longtemps, pendant la guerre? Alors, je vais vous dire, il est mort en 57. Ah, quand même. Oui. En 57. Édouard Bourdet, non? Édouard Bourdet, non. Mais ce genre-là? Ah, si c'est pas ça, c'est pas ce genre-là, non. On n'est pas aux devinettes, hein. Soit on est érudit, soit on l'est pas. Oh, l'autre. Ouais, attends, tu vas voir ta gueule, toi, on va voir. Merde. On va voir. Donc, vous dites, pour nous résumer, vous dites qu'il a écrit des romans et des pièces de théâtre. Enfin, exactement. Marcel Achard? Marcel Achard, non. Marcel Aimé, non. Jean Anouilh, non. Laurent, c'est pas par hasard, à tout hasard, c'est pas Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, non. Je le saurais quand même. Il vous reste 30 secondes. Alors, et je suis pas mécontent qu'on enlève voilà, un chèque RTL aux grosses têtes. Attendez. Et pour cause, oui, pour cause. Parce qu'on en parlerait aujourd'hui à cause de qui? De Bouteflika, non? Mais non, pas du tout. À cause de l'actualité. Mais non. Albert Camus. Albert Camus, non. Avril quelque chose. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il s'appelle Avril. 1er avril. Enfin, son nom, c'est Avril. Yvonne Printemps. Robert Changement d'heure. Oui. Et Betty Mars, tant que vous y êtes. Bon, alors écoutez, je vous rappelle la citation. Quand on dit d'une femme qu'elle est assez jolie, c'est que ça. Ça s'écrit. Ah, bah ouais, évidemment. Et son nom n'a pas été cité ici, puisque Isabelle Mergault n'est pas venue depuis longtemps, donc voilà pourquoi il n'a pas été cité. Et pour cause, mauvaise réponse. C'est trop tard. Ah bah oui, c'est trop tard. Non, mais j'ai entendu que la première sonnerie. Ah non, il y a eu deux sonneries déjà. Ah voilà. Non, voilà la deuxième. Non. On vous l'a fait réentendre, vous voyez. Bon, j'ai une autre citation quand même. Histoire de vous donner une deuxième chance. Il ne faut jamais juger les gens sur leur fréquentation. Tenez, Judas, par exemple, il avait des amis irréprochables. Mais oui.
Alors c'est un cateau, ça, forcément, alors. Ah, oh, pas spécial. Avec un parapluie dans le cul, non? Un français. Un cateau avec un parapluie dans le cul. Alors là, bravo. Non, si c'est surprenant. Mais ça dépend, le parapluie dans le cul, ça dépend si on l'ouvre avant ou après. François Mauriac. Déjà, sans ouvrir, ça fait mal. Mais tu as les parapluies repliables aussi. Hein. Moi, j'enlève toujours les pépins. Il est vivant, ce mec-là? Ah, il est mort. Non, il est mort il y a longtemps? Avouez que c'est joli, quand même, comme phrase. Hein. Ouais. Il ne faut jamais juger les gens sur leur fréquentation. Judas, par exemple, avait des amis irréprochables. Est-ce que c'est un Français? Un Français, oui. Ça pourrait être Jules Renard. Ah, ce n'est pas Jules romancier. Renard. Romancier, alors... Écrivain, poète. Écrivain, poète. Prévert, non. Tristan Bernard, non plus. Il est mort il y a longtemps. Ah, il est mort à la fin du 19e. Je pensais à quelqu'un, mais c'est pas lui alors. En plus. Paul Valéry, non. François Valéry. Valéry Giscard d'Estaing. C'est dommage parce que des deux trucs qu'il fallait garder, vous n'avez pas gardé le bon truc. Ah, dommage. Paul Éloi. Non. Paul quelque chose, hein. Oui. Ah. Paul Léoto, non. Non. Paul Bourget, non. Paul Verlaine. Oh, bonne réponse de Valérie Mérès. C'est en 1821 que Charles Rodolphe, je ne vous donne pas son nom de famille, en 1821 que Charles Rodolphe eut l'idée de supprimer les trois chaînettes de cet objet pour les remplacer par une tige en acier forgé en col de cygne. Mais quel objet avait inventé Charles Rodolphe ? L'horloge, non. Le cintre. Il y a des chaînettes autour d'un cintre. Il y avait des chaînettes avant. Ah non, je pensais le col de cygne. Non. Les menottes. Alors, évidemment, si vous connaissiez le nom de famille de Charles Rodolphe, qui inventa cet objet en 1821, vous sauriez pourquoi il a supprimé trois chaînettes et les a remplacées par une tige en acier. C'est la mort de Napoléon. La mort de Napoléon. Ça n'a aucun rapport. Est-ce que c'est un objet de décoration ? De décoration aujourd'hui, celle qui furent fabriquées par monsieur, Charles Rodolphe, en 1821, peuvent servir d'objet de décoration, parce qu'évidemment, on fait encore plus moderne aujourd'hui. Et c'est le nom de... Elle porte le nom de l'inventeur. Exactement. Mais c'était un objet utilitaire. Utilitaire, oui. Un coucou. C'est vrai qu'il y a des petites chaînettes dans un coucou. Non, et on aurait remplacé ça par une tige en acier, en col de cygne. On n'est pas loin, mais ce n'est pas un coucou. Je peux en avoir chez moi? Ah oui, oui. Oh, bah vous, je vous conseille pas trop, mais quand même. Ah, une balance. Bonne réponse. Oh la vache. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Oh, et le nom de famille de Charles Rodolphe. Testu, évidemment. Bah oui. Charles Rodolphe, Testu. Eh oui. Toutes les questions sont possibles. Moi, j'étais partie sur une ombrelle. Tu vois, Sylvie, c'est quoi ta marque de culotte pour la prochaine question? J'ai la réponse. Petit bateau. Pour toi, c'est gros paquebot. Elle met du au bad, au moins. Charles Rodolphe Testu a transformé la balance à peser. À l'époque, il y avait deux plateaux en cuivre jaune. Les plateaux, c'était de Robert Val. Oui, Jean-Charles Robert Val, d'ailleurs, c'est 728. Mais justement, lui, il a remplacé les coupelles en cuivre jaune qui étaient tenues par trois petites chaînettes qui formaient l'équilibre de la coupelle. Il les a remplacées, ces trois chaînettes, par une tige en acier forgé en col de cygne qui se terminait par deux crochets. Et c'était pour peser le tabac à l'époque que les balances à peser Testu ont été inventées. Mais c'est pas de votre famille, la famille Testu, évidemment. Non, mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à l'école. Vous savez, quand la prof, elle dit « Qui a fait ça ?» Elle me regardait, je disais « Je m'appelle Testu, mais je suis pas une balance. » Ah, c'est joli. C'est pas con, ça. Ah ouais, ça, tu pourrais faire un film là-dessus. Ça ferait... Mais non, parce que tu comprendrais trop vite le pitch. Non, c'est vrai. Ça t'en a permis de faire des choses pour nous quand même. Vous pesez vous-même les petites... Faites la cuisine vous-même Oui, je fais la cuisine, mais non, maintenant il y a des verres doseurs, tout ça, tu vois. Donc, oui. Non, je pèse plus. J'ai une balance, un pèse-personne, ça s'appelle. Qu'elle est déréglée, que l'aiguille ne veut jamais se mettre au hâte, mais à 10 direct. Attendez, je comprends pas ce que vous voulez dire.
ma mère, elle avait appelé cette personne Testu, de la famille de machin. Bon. Mais non, mais non. Mais non, c'est pas elle. Ah non, c'est pas une balance qu'elle a dit. Et ma mère, elle me l'a donné, c'est un appelé cette personne, parce que j'aime bien me peser pour savoir plus ou moins où je vais. Tu vois. Ah, elle me l'a donné. Regarde bien ces critères, rayons. Mais ma mère, qui était un peu forte, elle s'est tellement pesée dessus que la balance, elle s'est un peu déréglée. Elle ne se remet jamais au zéro. Il n'y a pas de vide-grenier dans ton bled, d'abord. Faut bouger la molette, tu remets à zéro. Oui, parce qu'elle est déréglée. Et ben elle revient à 10. Et ben oui, moi aussi. Mais si vous aviez un. Je ne sais pas si vous avez une balance, mais si vous aviez un réveil personne. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train. Il est l'heure à laquelle vous avez demandé à être réveillé. Il est l'heure à laquelle vous j'ai avez demandé. J'ai l'impression qu'on dérange Pierre Bénichoux. Je réfléchis, je peux. Vous êtes réveillé comme qu'on réveillait les gens en première classe dans l'avion. Monsieur Bénichoux, il est l'heure à laquelle vous avez demandé à être réveillé. Nous allons bientôt décoller. Vous avez préparé un petit déjeuner, quelques viennoiseries. Souhaitez-vous des aménités afin de vous rafraîchir? Souhaitez-vous des quoi? Des aménités. Bah, des aménités, c'est quoi c'est du dentifrice, un gant de toilette et puis un peu de savon. Voilà. Des aménités. Jamais j'ai entendu ça. Des aménités. C'est quoi des aménités? Dans quelle compagnie tu travaillais? Mais c'est pas du tout. SOS aménités. Aménités, c'est un mot qui ne s'emploie qu'au négatif. Pour dire sans aménité, c'est de la gentillesse. Ça n'est que privatif, théoriquement. C'est privatif. Sans aménité, ça veut dire sans gentillesse. Sans et là, vous allez trop loin, je comprends rien. Sur les aménités. Je veux pas te comprendre, connard. Sur les aménités du sens. Je veux dire aménité. Puisqu'aménité, ça veut dire gentillesse, je vois pas pourquoi du dentifrice, on dirait vous voulez quelques aménités. Bah, c'est gentil pour les autres que tu pues pas de la gueule. Ouais. Je vais vous demander le nom de cette Italienne qui est mourue à l'âge de 81 ans en 1952 aux Pays-Bas, après avoir fui l'Italie sous Mussolini, fui l'Espagne sous Franco, et donc cette réfugiée aux Pays-Bas. De qui s'agit-il? Elle avait vraiment des problèmes de fuite. Hein. Ah oui. Mais elle a fui l'Italie, elle s'est réfugiée en Espagne et là ça a recommencé, elle a dû repartir aux Pays-Bas. Exactement. C'est ça. Mais exactement. Alors, c'était parce qu'à cause d'elle ou à cause de son mari qui était révolutionnaire? Ah non, c'est à cause d'elle qu'elle a. Non, mais elle a fui l'Italie parce que là on lui voulait des problèmes à elle. Après, elle a fui l'Espagne de Franco par conviction et puis elle s'est réfugiée aux Pays-Bas où elle est décédée à 81 ans. C'est une artiste. Elle est retournée quand même en Italie hein, en 1946. Après sa mort. Eh ben oui, elle aurait pu, dans une urne. Je vous dis qu'elle est morte en 52, donc 6 ans avant sa mort, elle est retournée quand même en Italie, qu'il avait réhabilité. Une écrivaine. Depuis. Une écrivaine, non. Une journaliste, non. Une journaliste, non. Une chanteuse. Une chanteuse, non. Une danseuse. Une danseuse, non plus. Une politique, non. Une politique, non. Non. Une experte comptable. Non, monsieur de sa mère. Une esthéticienne. Non, non. Mais elle était militante, une militante active. Non, elle n'était pas militante active, mais elle avait fait quelque chose qui ne plaisait pas manifestement. Photographe. Enfin, c'est plutôt que ça. Au départ, d'ailleurs, ça plaisait plutôt à Mussolini, mais après, il y a eu des petits problèmes parce que Mussolini a voulu lui imposer quelque chose, elle a refusé. De se faire avorter. À se faire avorter, non. C'était une prostituée, peut-être. Oh, pas du tout. Ah, mais alors. Non, c'était pas dans le domaine artistique. Du tout. C'est pas la photographe d'Hitler. Non plus. Mais c'est un rapport avec Hitler? Non plus. Mais elle a commencé par être proche des Mussolini. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que dans un premier temps, ce qu'elle avait fait plaisait plutôt à Mussolini. Elle n'y était pour rien, c'est comme ça. Parfois, on fait des choses, ça plaît pas, on ne choisit pas les gens à qui ça plaît. Oui. Mais il se trouve que dans un deuxième temps, Mussolini a voulu transformer quelque chose. Et là, elle a refusé, elle est partie. Le transformer? Elle était dans la couture. La couture, non. Elle était dans l'esthétisme du visage? Dans l'esthétisme du visage, non. Elle militait? Elle ne militait pas. Dans la médecine? Alors, elle a été une des premières femmes médecins en Italie, ça c'est vrai. Ah, elle a fait une thèse qui plaisait à Mussolini? Non, elle a travaillé par exemple pendant 2 ans pour une clinique psychiatrique à Rome. Elle était dans l'éducation? Alors oui, ça c'est vrai. Oui, ça on ne peut pas dire le contraire. Elle était en rééducation? Antinori? Comment vous dites? Antinori? Non. Montessori? Qu'est-ce qu'il est fort? L'école! Elle a créé l'école! Il s'agit de Maria Montessori. Bonne réponse de Florian Gazan.
Ah là là, il est fort quand tu même. Tu m'impressionnes, Florian. Il faut expliquer ce que c'est. Ben c'est... oui, écoutez, on n'est pas si cons, hein. Ben je l'ai dit, ce sont les écoles. Maria Montessori, et effectivement, il y a des tas d'écoles, des milliers d'écoles Montessori, pas seulement en France, hein, évidemment, à travers l'Europe et même le monde. Les écoles Montessori, c'est une forme de pédagogie qu'elle avait inventée. Et Mussolini, lui, en fait, ce qu'il voulait, c'était imposer une sorte d'uniforme, un uniforme fasciste dans les écoles Montessori. Et voilà pourquoi elle a refusé et elle a eu des soucis avec le gouvernement italien. Voilà. Et elle a fui l'Italie, Maria Montessori. Elle s'est installée en Espagne. L'arrivée au pouvoir de Franco, évidemment. Et Franco voulait aussi qu'il mette des uniformes franquistes. Ah bah j'imagine. Et elle a fini Chris Prolls. Elle a fini chez Ikea. Ah non, c'est aux Pays-Bas, chez Gouda. Elle a fini aux Pays-Bas et quand même l'Italie l'a réhabilitée en 1946. Elle est morte à l'âge de 83 ans. Mmh. Montessori. C'est bien. Bonne re-réponse d'Arnaud de Samer. C'est bien Arnaud de Samer, c'est bien essayé. Mais enfin, je suis pas Daniel Evlou, je me souviens que la réponse a déjà été donnée quand même. Hein. Oh là 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 là. Question culturelle à propos des films qui sortent aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas que des films avec des comédiens. Il y a aussi un film d'animation qui sort aujourd'hui. Un film d'animation réalisé par Lorenzo Mattotti. Un film qui s'appelle La fameuse invasion des ours en Sicile. C'est d'ailleurs un dessin animé tiré d'une œuvre de Dino Buzzati. Un conte écrit par cet écrivain qu'on connaît, Dino Buzzati, pour un autre grand livre. Lequel ? Le désert des Tartares. Bonne réponse de Franck Ferrand. Le désert des Tartares. Bah oui, ça c'est bien. Et le cas aussi. Le cas, c'est un recueil de nouvelles magnifiques. Ouais. Mmh. Écoutez, alors Monsieur Gazan prolonge la question. Bravo, vous avez raison. Il a écrit aussi le cas. C'est vrai que le désert des Tartares, c'est son plus connu. Le rêve de l'escalier, le cas. Mais Buzzati avait un sens comme ça des effets de paradoxe. Dans une très belle nouvelle qui est dans le recueil du cas, c'est des gens qui arrivent à la campagne, qui ouvrent leurs fenêtres et le mari dit « Oh, que regarde cette paix, ce calme ». Et c'est comme si la caméra descendait dans les herbes, dans les végétaux et on voit la guerre atroce entre les scarabées, les fourmis, les araignées. C'est une espèce de boucherie, de bataille terrible. Et puis hop, on revient et puis il referme ses volets. Il dit « Quelle paix merveilleuse ». Et ça, c'est Buzzati. Ah, c'est son très sens. Très, très, très joli, oui. Ça, c'est dans le cas, donc. Le cas, oui. J'ai une autre question pour vous, Monsieur Ferrand, mais pour toutes les grosses têtes, car tout le monde connaît le nom de celui qui est mort à la Bastille 200 ans avant la prise, 200 ans avant la Révolution. Qui est mort à la Bastille, donc 200 ans avant la Révolution, un homme marié et père de 6 enfants. Et 200 ans, pile poil à l'année près ? Oui, en 1589. Un politique ? Politique, non. Mais il fréquentait les politiques. Un religieux ? Il fréquentait, entre autres, Catherine de Médicis. Religieux ? Il était protégé de Catherine de Médicis. C'était un poète ? Alors religieux, je dois dire que la religion lui a coûté la vie et même l'emprisonnement. Ah, c'était un curé. Il est mort de faim, de froid et de mauvais traitements à la Bastille en 1589. Ça devait sentir bon dans sa cellule. Un cardinal ? Il était protestant donc. Il était protestant. 89 ? 1500. 1589. Oui, 1589. Oh, vous n'avez pas le jour ? Est-ce qu'il était écrivain ? Est-ce qu'il était écrivain ? Il n'était pas ciel. Et... je crois que c'était un mardi. Il n'était pas éditeur. Hein. Il n'était pas éditeur. Il était non, il avait une connotation religieuse. C'était je vais vous aider un c'était peu. C'était pas un bonne sœur. Non, c'était un savant. De Marseille. Non. Un chimiste ? Alors chimiste. Alchimiste ? Non, pas chimiste. D'ailleurs, il c'est pas Nicolas physicien. Farrell. Hein. Pardon ? Nicolas Farrell. Non, non, non. Mais physicien ? Non, parce que Nicolas Farrell, non. Non, non, non. Alors que Colin Farrell, peut-être. Colin Farrell, oui. Peut-être, mais il n'a pas une métro, lui ? Non. Il n'a pas une maîtresse non plus ? Non. Ni métro, ni maîtresse. Un artisan, un cordonnier. D'ailleurs, une partie de son œuvre est exposée au Musée national de la Renaissance du Château des Coins. Ah bah dites donc, ah bah ça oui. Prend ah, c'est un céramiste. Un céramiste, oui. Oh, joli. Oui, c'est Bernard Palissy. Et c'est Bernard Palissy. Joli. Excellente réponse de Franck Ferrand. C'est chiant un peu, hein. Parce que tu te sens grotesque. Oui. On se sent non, grotesque. Non, pas grotesque, je suis non, pas d'accord avec non. Ça. Tu te sens différent. Non, mais je peux vous montrer Palissy la sortie. Merci Bernard.
un mot quand même sur Monsieur Pell. Il brûlait ses meubles. Oui, on dit, c'est peut-être un peu la légende, mais on dit qu'il a brûlé ses meubles pour alimenter le foyer parce qu'il n'avait vraiment plus du tout de quoi fabriquer ces espèces de plats extraordinaires. Et vous savez qu'il représentait en trois dimensions et en couleurs, il représentait ce qu'il y avait dans les plats. Donc on avait des poissons, des anguilles, toutes sortes de légumes. C'est magnifique. C'est plus que du trompe-l'œil. Non, c'est de la barbotine. C'est l'ancêtre de la barbotine. Exactement. Ah non, mais moi, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. J'ai presque commencé une collection de barbotines et j'ai arrêté. Donc non, non, mais je sais ce que c'est très bien. Voilà. Pour une fois, tu vois. Bernard Palissy est mort à la Bastille 200 ans avant la prise en 1589. C'est encore une très très bonne réponse de Franck Ferrand. Une question pour Florian Lecarrère qui habite à Tisval-de-Rouvre, c'est dans l'Orne. Question qui nous emmène à Marseille, où est né le 1er juin 1857, rue des Incurables, quelqu'un qui gagna de l'argent grâce à une révélation qu'il eut dans sa baignoire. De qui s'agit-il ? Archimède. Archimède, non. Une révélation qui avait rapport à l'eau ? Ah, indirectement, oui. En tout cas, c'est parce qu'il était dans sa baignoire qu'il a eu cette révélation. Farfadet ? Pardon ? Farfadet. Farfadet. Oui, c'est bien. Il voulait dire Faraday. Faraday, oui, pardon. Faraday, oui, pardon. Mais vous n'en loupez pas une en ce moment. Hein. Je sais pas ce que c'est. Mais Faraday, c'est un petit lutin. Oui, mais il voulait dire Faraday, la cage. Faraday, la cage de Faraday. La cage de Faraday. Non, oui, ça n'a rien à voir. N'importe quoi. Il n'a pas inventé la loterie nationale. Ah non, c'est quelqu'un qui est né à Marseille. Un navigateur ? Non, le 1er juin 1857. Il a fait carrière ensuite grâce à cette révélation qu'il eut dans sa baignoire, rue des Incurables, au domicile de ses parents. C'est pas Coriolis alors. Hein. Non. C'est lié à l'eau. Le slip de bain. Non, ah, mais on se rapproche quand même. Le bonnet de bain. Ça se porte. Non, mais il n'a rien inventé. Je ne vous ai pas dit qu'il avait inventé quoi que ce soit. Il s'est dit, alors il est là, il est tout nu. Il est tout nu. Oui, il est tout nu. Oui. C'est rare de prendre un bain avec son pardessus, mais enfin. Ah, bah c'est la première baignoire, tout simplement. Non, peut-être. Non, rien à voir. Alors, il est là, il est dans son bain, et d'un seul coup. Bah, alors là, j'imagine, il fait oh, mais. Et puis, il sort de la baignoire, tellement il est. Ah non, il reste et il prolonge l'expérience. Mais la thalassothérapie, là, inventée. Non. Bah, qu'est-ce qu'il le lavement. Le lavement, non. Oh. Il a fait pipi dans le bain. Il a pété dans l'eau. Ah! Ah, qu'en pétant, les nageurs peuvent aller plus vite. Fouf. En il pétant, a inventé ça fait des bulles. Ça fait des jacuzzi. Mais ça fait... Oh, quelle horreur. Ça part d'un pet, t'imagines, avant ça. Mais je vous dis qu'il n'a rien inventé. Il est juste devenu... Péteur. Il a pris de l'eau, il a vidé la moitié de sa baignoire. Il n'était pas loin avec le lavement. Il est donc devenu... Pétomane. Le pétomane. C'est le vrai pétomane. Le pétomane. C'est monsieur Joseph Pujol. Il est au téléphone, là. Pardon. Allô. C'est le pétomane. Bonne réponse de François Rollin et Gérard Jugnot. Joseph Pujol, un phénomène de la nature, est né à Marseille en 1857. Il est chez ses parents, rue des Incurables. Un jour qu'il prend son bain, il a la révélation de ses exceptionnelles possibilités. Il a la possibilité d'aspirer de l'eau par le rectum et de la rejeter en contractant ses muscles abdominaux. Il s'entraîne pour passer de l'eau à l'air et il réussit à moduler... Ah bah bonjour, la couleur de l'eau. Combien vous êtes payé ? Combien vous êtes payé, vous, pour participer à une telle émission ? Parce que moi, je vais vous dire, c'est pas assez. Hein. Il réussit. Ah, il a inventé les salles de bain en même temps. Non. Il réussit à moduler les sons du grave à l'aigu, du bref au plus prolongé. Et en 1882, il monte enfin sur la scène du Moulin Rouge pour son numéro qui deviendra un succès immédiat et international. Il faisait le P de la jeune fille, le P de la belle-mère, le P de la mariée le soir des noces, le P timide... Le P de la même mariée au lendemain des noces, plus affirmé. Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Il imitait le déchirement d'une pièce d'étoffe, ça durait 10 secondes, paraît-il. Il pouvait imiter le son du canon en pétant. Il y a des gens qui sont navrés dans la salle. Le bruit du tonnerre, mais je vous donne le programme du Moulin Rouge. Les gens venaient en smoking assister à ça. Le bruit du tonnerre, et il éteignait une bougie à 30 cm. Avec de l'eau ? Et il fut l'acteur le mieux payé de son temps, alors que Sarah Bernard touchait 800 francs par soirée, lui touchait 2000 francs pour une seule séance au Moulin Rouge.
Et encore en matinée, en soirée, ils pouvaient toucher encore plus. Le prince de Galles, Freud, sont allés le voir pour comprendre pourquoi les gens riaient à ça. C'était des choses... Prince de Galles ? Ah oui, le prince de Galles. Ah ouais, le prince de Galles. Il est devenu boulanger ensuite. Moi, je dirais pas, c'est son pain. Hein, ça dit il faisait des peines nonnes. Imagine qu'il s'amuse dans le fournil, t'as pas le moral. Hein. Non, mais il était... Physiquement, il avait alors une malformation, il avait quelque chose. Il y a des yogis qui peuvent avoir. Non, mais comment ça, non ? Oui, il devait. Non, mais il allait tout le temps chez le docteur, il paraît. Le moindre pet de travers, il y a. Un pet de travers, c'est un accident professionnel. Ouais. Relâche. Mais après, il s'est arrêté. Il est devenu boulanger à Saint-Jean-du-Var. Et d'ailleurs, il est enterré là-bas, dans un joli cimetière. Sa tombe est encore visible. Et oui, oui, mais il paraît d'ailleurs que ça gaze. Hein, ça... Les fêtes de famille, on lui dit allez, fais-nous un petit truc. Te la pète pas, bah te la pète pas, pète un peu. Y allait, vas-y. Et alors, il y allait. Il avait un public très prout-prout. On a fait une fête. Une question qui est assez intéressante parce que dans Le Parisien aujourd'hui, j'ai découvert cette association qui offre une seconde vie à vos chaussettes orphelines. C'est que c'est vrai. Oh là là, le drame. Hein, on retrouve toujours Une chaussette. Vous aussi, Ariel ? Eh bien, je dois avouer que ça m'arrive. Et je me dis toujours, mais où est-ce qu'elle est passée ? C'est vrai. Alors là, je vire la bonne. Non. Tu ne fais pas la lessive toi-même. Non, non, je sais, mais quelquefois, dans mon tiroir, il m'arrive de retrouver une chaussette. Oh bien, voilà. Mais grand Dieu, le personnel n'est plus ce qu'il était. Il y a une solution pour régler le problème, se faire amputé d'une jambe, Marielle. Alors non, ce qui est bien, c'est que maintenant, on peut offrir ces chaussettes orphelines à une association, parce que ça paraît peut-être étonnant, mais c'est vrai qu'on ne pense pas offrir des chaussettes aux associations. Vous savez, il y a des vêtements, il y a Emmaüs et compagnie, mais les chaussettes, on n'y pense pas. Alors que ça fait des moufles. Moi, mes vieilles chaussettes, je les donne à des vieilles dames qui en font des soutiens-gorge. Non, mais de nombreuses personnes en situation de précarité ont des difficultés à avoir des chaussettes, tout simplement. Les chaussettes font rarement l'objet de dons. Et voilà pourquoi il y a une association qui dit, mais donnez vos chaussettes orphelines. D'abord, à force de donner de nombreuses chaussettes, on va réussir à faire des paires. Oh, c'est pas possible. La marque qui a eu l'idée de récolter les chaussettes orphelines pour les offrir à ceux qui en avaient besoin, c'est une marque de chaussettes que je ne connaissais pas, je dois dire. Des chaussettes made in France. Et vous allez retrouver très facilement le nom de cette marque de chaussettes. C'est ma question. Bleu Forêt. Pardon. Bleu Forêt. Bleu Forêt, ça c'est vrai que ce sont des vraies chaussettes françaises, mais c'est plus difficile à trouver Bleu Forêt. Zavata, là, ou c'est une marque de chaussettes facile à trouver. Stem. Soc. Soc, non. Soquette. Stem, non. Doré. Non, réfléchissez un peu. Dim. Vous créez une marque de chaussettes. Comment vous allez l'appeler ? La chaussette française. Pied. Non. Les orteils, non. Ça pue, non. Ça s'enfile ? Non. Tout doux, tout chaud. Le pied. Réfléchissez, pensez à notre amie Isabelle Mergo. La chaussette. Le poil. On se rapproche. La zozote. Non. La zézette. Mais viens, on va enfiler les zézettes. Non, mais. Franchement. La chaussette. Bah, non, ils sont encore plus malins que ça. C'est une marque de chaussettes qui s'appelle... Chaussette. Chicheux. Non. Cheux. Je vous ai aidé. Archiduchesse. Bonne réponse de Christine Trent. Maintenant qu'elle est dans les princes, elle nous fait toute la archiduchesse. Eh oui, vous comprenez pourquoi, Stevie? Ah bah oui, c'était dur à dire. Allez-y. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Voilà, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? C'est ce qu'on appelle un virelangue. Ces expressions qui sont difficiles à prononcer, comme un chasseur sachant chasser, sèche chasser sans son chien. Dans les écoles de théâtre, on apprend ça. On fait que ça. Dis-moi, gros grand grain d'orge, quand donc te dis gros grand grain d'orge, quand tous les gros grands grains d'or ce seront des gros grands grains d'orgé. Eh oui. Le fisc fixe de chaque tactique. Ariel. Je t'exige un paroxysme spasmodique. Ariel, essayez après moi. Pruneau cuit. On a échappé au pire, mais c'est déjà très bien. Quel temps de cuisson pour les pruneaux.
Une question culturelle pour Ahmed Kepchi. Mohamed Kepchi qui habite Strasbourg, dans le Bas-Rhin. Qui était surnommé le cygne de Dircé, le cygne de Mantoue et le cygne de Cambrai? C'est un sportif? Non. Il y a trois cygnes alors. Alors il y a trois cygnes. Le cygne de Cambrai. Le cygne comme l'animal? C'est un prédicateur. Pardon? Le cygne de Cambrai, c'est un prédicateur. Prédicateur, pas tout à fait. Un devin. Un devin, non. Un devin, un prêtre, un prêtre. Oui, c'est le cygne comme l'animal? Le cygne comme l'animal. Alors remarque, c'est pas mal. Pour le type de Cambrai, c'est pas bête. Mais en principe, il suffira d'un cygne. C'est bien, il y en a trois. Au XVIIe siècle. C'était un archevêque, archevêque de Cambrai. Ouais, oui, mais c'est pas Bossuet. Il est pas si bête. Pardon? Bossuet? Pas Bossuet, l'autre. C'est pas faux. C'est ah, l'autre. Talleyrand? Non. Faucillon, Bourdalou. C'est incroyable, je ne comprends pas la question. Bah non, il peut plus, vous parler. Je ne comprends pas. Ni la réponse. Ça pourrait être en islandais, si je ne comprends rien. C'est un... bah, si vous voulez, il y avait quelqu'un qu'on surnommait à l'époque, effectivement, on est au XVIIe siècle. Ouais. Quelqu'un qui est mort d'ailleurs. Qui est mort en 1715, donc mort au XVIIIe, qu'on surnommait le cygne de Cambrai. Ah, c'est un surnom. On le surnommait le cygne à cause de son caractère doux et fuyant, en comparaison avec le caractère plus autoritaire et éloquent de son rival Bossuet, que lui, on comparait à un aigle. L'aigle de Meaux. Voilà, il y avait l'aigle de Meaux, c'était Barbara. Bossuet. Et le cygne de Cambrai, c'était... Moi, je crois que c'était le Brie de Meaux. Non. Bah c'est l'autre, c'est pas Faucillon, c'est pas Bourdalou, c'est... Un homme d'église, historien, théologien... Richelieu. Fénelon. Fénelon. Bravo, voilà, monsieur Bénichou. Voilà pour le cygne de Cambrai. Bravo. Enfin, bravo, bravo, on n'a qu'une réponse sur les trois pour l'instant. Ah, mince. Il vous manque le signe de Dircé et le signe de Mantoue maintenant. Le signe on ne va pas se faire toute la basse-cour. Le signe de Mantoue. Et où Mantoue? Est-ce que c'est un cycliste, le signe de Mantoue? Ah non, c'est beaucoup plus vieux que ça, ça date d'avant Jésus-Christ, le signe de Mantoue. Il n'y a pas de tour de coupe. Ah, c'est un... Avant Jésus-Christ. C'est un écrivain. Alors, un écrivain, et effectivement, latin. C'était une référence, là encore, à son élégance, à sa poésie et à la ville du nord de l'Italie dans laquelle il est né. Un auteur? Un poète des plus latins, des plus célèbres. Ah, oui. C'est pas Pétrone. C'est pas Pétrone. Non, parce que Pétrone, c'est plus récent. Vas-y. Si je vous cite ses œuvres. Poète italien? Les Géorgies. Oui, Virgile. 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 Bravo. Virgile, c'est le signe de Mantoue. Allez le dire, Fabrice. Ah, ouais. Bah, maintenant, il vous manque le signe de Dircé. Donc. Alors, c'est grec, ça? Alors, Dircé. Est-ce que c'est grec? Dircé, c'est grec. Ah, ça fait grec. Donc on le connaît. Là aussi, c'est un auteur. C'est avant Jésus-Christ. Encore. Homère. Pythagore. Non, et c'est un des plus célèbres poètes lyriques. Ésope. Grec. Non, pas Ésope. Apollodore. C'est bien mon petit Stevie, mais c'est pas ça. C'est quelqu'un qui était grec, qui est donc né près de Thèbes, qui est mort à Argos en 438 avant Jésus. Ah, Balise. Balise Argos. Non. Pas lui. Donc, une forte personnalité, profondément attachée à la religion traditionnelle, à l'aristocratie grecque. Bagasse. Victor Hugo l'évoquait parfois. Ulysse. Zénon. Zénon, non. Zénon. Il a le nom d'un roi aussi, enfin, ou d'un dieu? Non, grec. Alors à la limite, on va dire que son nom se rapprocherait plus. Alors là, je vais essayer d'aider les autres grosses têtes qui retrouveront jamais le nom de ce poète lyrique, donc grec. Son nom se rapprocherait plutôt d'un cirque, voyez-vous. Un bouglione. Grus, non. Pindare. Pardon? Pindare. Pindare. Bonne réponse de Marc Lambron. Bien sûr. Oh. Ils vont se foutre de ta gueule à l'académie, je vais te dire. Ah bah tu retrouves Pindare avec Pindare. T'es foutu toi à l'académie. Parce que moi je vais rentrer chez moi, ma mère qui est prof, elle va me dire, tu fais des émissions avec des académiciens, c'est bien. Toi on te tire vers le bas, mon pauvre. Hein, mais tu connaissais pas le cirque Pindare? Pindare, c'était chouette quand même. Ah, oui, oui. Alors voilà. Un grand élégiaque, oui. Pardon. Un grand élégiaque, un auteur en effet de poésie. Tous les patrons de cirque m'ont dit c'est un grand élégiaque. Et ben grâce aux grosses têtes, vous saurez maintenant qui était le signe de Dircé, le signe de Mantoue et le signe de Cambrai. Stevie, on résume donc le signe de Dircé, on vient de le dire. Donc c'est Pindare. Voilà le signe de Mantoue. C'est Fénelon. Non. Non. Et non, c'est l'autre. C'est l'autre, merde, le premier. Qu'est-ce qu'on a dit? Bossuet. Non.
Ah bah merde. Virgile. Ah Virgile, voilà. Voilà. Virgile, et l'autre c'est Fénelon le dernier. Fénelon, pas Fénelon. 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 Il y a pas d'accent. Fénelon. Il y a pas d'accent. Voilà. C'est toi qui en Fénelon. C'est Fénelon. Il y a pas d'accent sur le deuxième e. Fénelon. Fénelon Virgile Pindare. Pas Fénelon. Fénelon. Fénelon, oui, ben on a compris. Oh. Ils se feront jamais à notre culture. Une citation pour Jérôme Thévenot, qui habite Fontaine dans l'Isère, qui a dit « Les cons gagnent toujours, ils sont trop nombreux ». Coluche ? Coluche, non. Jean-Yann ? Les proches ? Non. C'est français ? Les cons gagnent toujours, ils sont trop nombreux. Carmet ? Jean Carmet, non. C'est bah, français bah. D'origine italienne. François Cavanna. François Cavanna, ah. Le Rital, François Cavanna. Bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Emmanuel Seguin, qui habite Carquefou, en Loire-Atlantique, c'est près de Nantes, ça, je crois, oui. Qui a dit « Ce matin, j'ai fait l'ouverture de la pêche. Rien de neuf, il y a toujours un noyau à l'intérieur. Oh. » Oh, qu'est-ce que j'ai dit. Francis Blanche, non. De Vos, non. Pierre Dac. Non, c'est un homme français, hein, c'est vivant. C'est vieux. C'est pas si vieux, il a dû dire ça dans les années 90, 2000. Patrick Timsit, non. C'est un écrivain. Il a publié, il se considère aussi comme écrivain. C'est pas son activité principale, donc. Ce n'est pas son activité principale. Il est plus auteur qu'écrivain. Il est auteur, il est écrivain, mais pas seulement, c'est pas son activité principale. Acteur aussi, mais c'est pas non metteur plus... Metteur en scène. Chanteur aussi, mais ce n'est pas son activité. Ah, animateur télé. Il fait tout, ce gars-là. Patrick Sébastien, bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Daniel François, qui habite Montivy, et c'est en Seine-Maritime, qui a dit « On s'ennuie vite à jouer au tennis, à cause, bien sûr, de l'inertie de la balle. Alors que si vous remplaciez la balle par un poussin, ce serait le fou rire assuré. » Ça ressemble à une petite Timsit, mais c'est pas lui. C'est pas Timsit, c'est Desproges, Pierre Desproges. Bonne réponse de Chantal Latsou. Ah, très bien cette citation qui vient pour Jérémy Souris, qui habite Honnay-le-Château dans l'Aveyron, qui a dit « Un arriviste, c'est celui qui s'engage derrière vous dans une porte tambour et qui trouve quand même le moyen de sortir en premier ». Ah, c'est marrant, ça. C'est un politique qui a dit ça ? Un politique, non. Est-ce qu'il est mort depuis longtemps ? Alors, il est toujours vivant. Si. Toujours vivant. C'est un humoriste ? Un humoriste. Français ? Français. Popek ? Popek ! Ouais. Excellente réponse de Florian Gazan. C'est Popek. Bon, je vais prendre des citations un peu plus littéraires, peut-être, pour Monsieur Gisbert, afin qu'il brille à son tour en quelque chose que tout le monde connaît. Mais est-ce que vous vous souvenez du nom de l'auteur de cette phrase ? C'est pour Guylaine Boucher, qui habite Ambérieux, en Bugey, dans l'Ain, qui a dit « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Nietzsche. Pas Nietzsche. Pascal. Pascal, non. Kant. Descartes. Kant. Descartes, non. Montaigne. Montaigne, non. Il est français ? Alors, ce n'est pas un français. Un Allemand. Nietzsche, non. Kant. Schopenhauer. Schopenhauer, non. Kierkegaard, non. Mais il n'est pas allemand. Hegel, non. Non, on cherche un Allemand, Chantal. Eva Braun et sa culotte. Heidegger, non. Leibniz. Ouais, excellente réponse de Florian Gazan. C'est Leibniz. Il est quand même fort, ce Gazan. Bon. J'ai l'impression qu'il fouille dans sa mémoire. Il ouvre des tiroirs, tout d'un coup, il dit « Ah ben ça y est, j'ai la bonne fiche ». Il y en a plein, quoi. Je suis tombé sur Fanny Ardant, d'ailleurs, dans un meuble Ikea. Une citation pour Joël Vassereau, qui habite Artsviller, en Moselle, qui a dit « Cronenbourg à la poste, chronoposte à la bourre ». Oh, c'est beau, ça. C'est récent. Olivier de Benoît ? Non. C'est une femme ? C'est une femme. Anne Roumanoff ? Et c'est Anne Roumanoff. Ah. Bonne réponse de Florian Gazan, ça va vite, hein. Oh là là, qu'est-ce que ça va vite. Même pas le temps de réfléchir qu'il l'a dit. Ah ben, encore une phrase qui va vous permettre de réfléchir, et j'imagine que Monsieur Gisbert saura la réponse rapidement. Quand même, je l'attends pour Stéphane Milon de Quesnoy-sur-Dole dans le Nord, qui a dit « L'homme est condamné à être libre ». Rousseau ? Non, c'est plus récent. « L'homme est condamné à être libre ». Sartre ? Et c'est Jean-Paul Sartre. Ah, oui, c'est excellente génial. Réponse de Florian Gazan, décidément. On nous annonce aujourd'hui dans La Croix qu'il y aura des nouvelles pièces de monnaie en Grande-Bretagne. Nouvelles pièces de monnaie à l'effigie de William Shakespeare, c'est bien normal, puisque vous le savez, en 2016, cette année, donc, on va célébrer les 400 ans de la mort du grand dramaturge. Mais il y aura aussi d'autres pièces qui, celles-là, vont célébrer
le 150e anniversaire de la naissance de Béatrix Potter. Alors vous allez me dire, Shakespeare, on connaît. Mais Béatrix Potter, quel personnage célèbre a créé Béatrix Potter, personnage célèbre que tout le monde connaît. C'est elle qui a écrit, elle écrivait pour des enfants. Oui, exact. Et la fameuse Agatha Christie. Agatha Christie, non, pas du tout. C'est les contes de ma mère Loi, non? Non. Attendez, attendez. Oui, c'est un personnage pour enfants qu'elle a créé. Un personnage que tout le monde connaît. Ouais. Bécassine? Non. Non, Babar? Non. Non, non, non. Non, non, la nounou. Mary Poppins? Mary Poppins. Pas du tout. Est-ce que c'est pas, la nana de la mélodie du bonheur qu'elle aurait créée? C'est un animal, non? Vous avez bien compris, effectivement. Oui! C'est un lapin. Et alors? C'est le... Roger c'est... Rabbit, Bugs Bunny. C'est pas Rabbi, pas Rabbi Jacob. Roger Rabbit. Roger Rabbit. Calme-toi, calme-toi. Dès qu'il parle de Rabbit, dès qu'il parle de Rabbit, hein, il est... Robert Rabbit. Non, c'est le lapin d'Alice. Alors, je vous demande quel est le nom du lapin. Eh oui, ah. Eh ben, Roger. Alors, soit effectivement le lapin anglais, parce qu'il a un nom différent en Angleterre qu'en France, mais c'est elle, en tout cas, qui a créé ce lapin. Jeannot Lapin. Roger. Pardon. Jeannot Lapin. Jeannot Lapin. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah. C'est chiant. Mais merde, j'ai pas un peu aidé quand même. Il s'appelle Benjamin Bunny en Angleterre. C'est elle qui a écrit effectivement l'histoire de Benjamin Bunny. Chez nous, en version française, c'est le célèbre Jeannot Lapin. Tout le monde connaît Jeannot Lapin. Ouais. Tout le monde parle de Jeannot Lapin. Quand j'étais enfant, au Havre, vous lisiez le lapin. Mes nurses. Mais c'est ça. Mes nannies. Vos nurses bilingues. Mes nannies. D'ailleurs, votre anglais est parfait, vous savez. Tout le monde le sait. The Havre. Ah oui. À quel âge vous avez appris l'anglais, vous, Claude Sarraute? À la naissance, parce que moi, j'ai une nurse anglaise. Ah oui. Pour de vrai, pour le coup. Et c'est vrai, pour le coup, parce que maman ne voulait pas d'enfant. Mais mon grand-père, qui était juif, il disait que si on se mariait et qu'on n'avait pas d'enfant, c'était péché. Et on m'a confié tout de suite à une nanny anglaise. Ah oui, il fallait des enfants, mais pas que ça dérange trop. Ouais. Cela dit, t'as bien reproduit le schéma, je crois, non, avec les tiens. Oui, exactement. Voilà. Non, mais t'as raison. Pour écrire un livre. Quand on a les moyens, pourquoi se faire chier à les élever? Ah, les moyens, je les ai gagnés toute seule. Hein. J'ai travaillé beaucoup. T'as fait quoi? Des ménages? T'as fait quoi? Attends, elle prenait le premier métro à 6h du mat. Oui. Ouais. Tu veux que je commence à te raconter tout ce que j'ai fait dans ma vie? Vas-y, princesse Sarah, on t'écoute. On sera encore là après-demain. T'imagines le calvaire des patrons de bistrot. Personne n'a travaillé autant de moi. Ah oui, ça, les bistrots, j'y allais beaucoup. Ah bah, ils en ont jusqu'à le lendemain, 5h. Ça. Non. Tu sais, c'est la seule fois où j'ai vraiment amusé un patron de bistrot. Parce que normalement, je bois, je paye, il n'y a pas de problème. Mais là, ils étaient tous là à se plaindre de leurs dents. Alors, j'enlève mes dents et je les pose sur le comptoir. Et je lui dis... Je dis, quand vous arriverez à ça, je comprends que vous nous fassiez chier avec vos histoires de dents. Mais pour le moment, je les remets. Il n'y a rien à dire. Vous n'avez rien à dire. Regardez. Quand tu te laves les dents, tu as une brosse à dents ou tu enlèves le dentier? Non, et tu une brosse à ongles. Une brosse à ongles. Quand je me lave les dents, je n'ai pas besoin d'une brosse à dents. Ah. Tu as une grande bouche, dis donc. Mais je les sors de ma bouche. Ah, voilà. Et, pour les et soirées... je vais vous dire quelque chose. Pour tes seins, tu prends une douche, tu les enlèves avant aussi. Non, il y en a un. Les mets derrière l'épaule. Il y en a un, je ne l'ai plus. Ici, j'en ai plus. Alors, attendez. Je vais vous raconter. Mais on est monstrueux. Mais attendez, moi, je pensais qu'en 2016, c'était là. Je sais pas, on allait. Oh, mais écoutez, c'est sympa de recevoir une grosse tête en kit. C'est exactement ça. C'est Madame Ikea. Ouais, ça rôde, c'est chez Ikea, c'est une commode. Je vous raconte quand même le plus grand au fait de ma carrière. C'est la loi à Laurent Ruquier. Eh bien, moi, j'ai eu 12 lettres. C'est énorme pour une rubrique quotidienne chez Laurent Ruquier. Autant on faisait la télé. Et j'ai simplement dit que mes dents tenaient avec de la colle. Eh bien, j'ai eu 12 lettres. Madame, s'il vous plaît, quelle colle point de terre. Génial. Si un jour tu fais Astérix, on t'appellera pas ta fixe. Ah, c'est quand même quelque chose, ça. En revanche, vous entendez mieux qu'Annie Dupéret. Ah oui, c'est vrai. Ben si, c'est vrai, parce qu'elle fait de la pub, elle, pour les trucs... et ah, vous, c'est la même chose. Et vous, vous entendez très très bien. Moi, je suis pas allée chez Audica, ce qu'elle recommande, mais il y a un monsieur qui est venu à la maison, il s'appelle Guillaume, il est très beau, très charmant, très marié, mais très beau, très charmant. Ah, parce que s'il n'était pas marié, tu le serais fait. Et il m'a mis, là, je ne l'ai pas mis à cause du truc ridicule que tu me fais porter, un casque et tout ça. Mais alors,
Il m'a mis un truc dans les oreilles. On a plus. C'est pas là que ça se met d'habitude. Mais c'est formidable. Quoi qu'il en soit, joyeuse année 2016. Une question pour Daniel Genestard qui habite Saint-Raphaël. Au cours de quelle bataille Jean Bar est-il décédé? Bataille navale? Ah, bataille navale. Alors ce n'est pas une bataille navale. Jean qui? Jean Bar. Jean Bar, le corsaire. Jean Bar. Alors là, on part de loin. Oh là 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 là. Alarme blanche. Jean Bar, l'idole de Péronique. Alors attendez, pour une fois que Chantal sait, est-ce que vous pouvez expliquer à Caroline Diamant qui était Jean Bar? Jean Bar était un chevalier à cheval. J'avais le chevalier à pied. Un cheval de mer, alors. Hein. Mais vous êtes malade. Énorme. Mais ils savent rien. Mais c'est effrayant. Et c'est un corsaire, Jean Bar. Mais oui. Bien sûr que oui. Un corsaire, mais sur un hippocampe. Voilà. Oh merde. Alors, attendez, il a gagné la bataille navale. Alors, c'est quoi votre question? C'est pas possible. Comment est-il mort? Et on voudrait que j'aille bien. Je comprends ta déprime du dimanche soir. Ah putain. Ah, bah oui, et c'est pas une bataille navale, alors? Non, ce n'est pas une bataille navale. Ah, est-ce que vous pouvez néanmoins vous poser la question, s'il vous plaît? Bien sûr que je peux poser la question, chère Caroline. Au cours de quelle bataille Jean Bar est-il décédé? Donc on connaît le nom de la bataille, normalement. Oh, bah écoutez, oui. Oui. C'est, Azincourt, c'est Azincourt. Un nom de ville. Ce n'est pas un nom de ville. C'est un nom de pays? Non plus. C'est un nom propre? Oui, ça c'est un nom, non, plutôt commun en fait. Un nom commun. Genre la bataille. La bataille foireuse, un truc comme ça. Ouais. Non, c'est pas un adjectif. La bataille... Ce n'est pas un adjectif. Genre la bataille de la main. C'est une couleur, la bataille non. rouge. Non, faut que vous essayiez de comprendre comment il est mort, Jean Bar, pour répondre à la question qui, c'est vrai, contient une petite subtilité. Il est mort en palais. Comment ça en palais? Bah en palais. C'est-à-dire qu'il a en palais présidentiel ou. Il a aussi une lance dans le corps. Et donc, excusez-moi. Tout le monde sait autour de cette table quand est mort Jean Bar, parce que personnellement, ça me dit rien. Chantal, dites-lui à peu près. Ouais. Oh, à mon avis. À la louche. Entre le 10e et le 20e siècle. Je dirais au 16e siècle, on va dire, non? Oh, elle n'est pas si loin que ça. 15e. Non. Après, plus tard, c'est au 18e. Il est mort au tout début du 18e. Il est mort en 1702. Voilà. Je fais mon intéressant parce que j'ai les dates devant les yeux. Voilà. Mais il est né en 1650 à Dunkerque. Hein. Il est de Dunkerque, il est de chez vous. Il est Dunkerque. Ben oui, c'est un ch'tique. Il est de chez vous, cher Chantal. Et alors, quand on saura comment il est mort, on saura où il est mort. Non, alors il est mort à Dunkerque toujours. Hein. Il est né à Dunkerque, il est mort à Dunkerque. Et c'est vrai que, en fait, je vais tout vous dire, il y a une astuce dans la question. Il est mort sur son bateau? Non, pas du tout. Répétez, la question. Si il n'est pas mort. Enfin, il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. Et il est là ce soir. Il s'est noyé. Au cours de quelle bataille Jean Bar est-il décédé? Est-ce que c'est une bataille contre une maladie? Voilà. La peste. La peste. La peste. Bravo, monsieur Gazan. Vous avez compris la question. La syphilis. Non, mais la peste. Non. La peste. La peste. Le choléra. Non plus. Un cancer. La rougeole. La tuberculose. La tuberculose. La petite vérole. Oui. Alors quand elle dit oui, c'est pas qu'elle jouit. Non, parce que là, elle dit non. La rougeole, une maladie. Non, la maladie qui vous rend, vous savez, qui vous fait perdre le scorbut. Non. Handicapé, il a perdu les deux jambes. Ah, oh, ça, c'est une belle mort, dis donc. Hein. Il a fait une croisonite. La poliomyélite. Oh, bah, à l'époque, oui. C'est une maladie contagieuse? Ben oui. Non. Ah bon? Non. Franchement, là, vous avez quasi répondu à la question. On s'en fiche un peu de savoir contre quoi. Ah ben non, alors, parce qu'on cherche, c'est ça qu'on cherche. Pardon? Vous voulez savoir quoi? Plus rien, là, maintenant. Il nous laisse chercher 2 heures. Alors, et la rate, et le foie, et la tête, alouette. Non, mais voyez... Il est mort infarctus. Il est mort de la chiasse. Non, on sait pas, moi. Ça, une infection. Un infarctus. Non, je suis pas médecin, mais je vous demande le... C'est facile, voyez ce que je veux dire. Crise cardiaque. Non. Un arrêt du cœur. Un arrêt du cœur, oui, comme tout le monde, monsieur Bénichou. Oh, allez, on va dire une mort naturelle, quoi. Une mort naturelle, tranquillou. Non, une otite. Il s'est étouffé. Mais il s'est fait assassiner, qu'on est con. Mais non, qu'on n'est pas con, qu'il s'est pas fait assassiner. Il était pas allé aux toilettes depuis longtemps.
Ah, il a explosé. Je sais pas, écoutez, est-ce que j'ai la gueule est-ce que j'ai la gueule d'une dame pipi, hein? Ah oui, c'est pas bête, le typhus. Le typhus. Le typhus, oui. Non. La coqueluche. La coqueluche, non. On vous a fait toutes les maladies, possible. Laurent. Qu'est-ce que vous attendez comme mot? La maladie d'amour. La myopie. J'ai l'impression que j'ai mes enfants qui me disent, on t'a fait toutes les maladies. J'ai l'impression qu'on joue à Docteur Maboule. Est-ce que ce serait pas tout simplement, il est mort d'un cœur brisé par l'amour? Oh, comme c'est beau. Ah, remarquez, la première syllabe de cette maladie pourrait signifier ça, parce que c'est assez joli, vous voyez. Il serait mort de tristesse, il serait mort en... Ah oui, déprimé, dépression. De mélancolie. En il est mort de mélancolie. De mélancolie. De mélancolique néphrétique. Non. Mais il est mort de... Il est mort de tristesse. Ça commence par un P, écoutez. Comme souvent... Une de paraplégie. De... Oh non. Il est mort en pamoison. Une pleurésie. Une pleurésie. Bonne réponse de Jean Benguigui. Ah, il y a une chose étonnante dans la presse qu'on a pu lire hier. Vous voyez, si vous avez pris le temps de lire les journaux, vous pourrez répondre. Et c'est une question pour Sylvia Beauvais, qui habite la Ville-Dieu du Clin. C'est dans la Vienne. Hier, on nous parlait de jambisation. Ça vient d'Italie. Mais qu'est-ce que la jambisation? Ça vient du jambon? Non. Des jambes? Des jambisations. Oui, c'est quand... ça vient des jambes, oui. C'est quand on donne un coup dans une jambe d'un sportif pour l'empêcher de poursuivre son sport. Alors, qu'est-ce que vous appelez donner un coup? Ben, de donner blessé, carrément. Donner un coup de pied, blessé. Un croche-pied. Donner un coup de pompe, donner un coup de couteau dans tirer une balle dans une jambe pour l'empêcher de continuer à boxer. Exactement. Bonne réponse d'Antoine Duléry. Quel rapport? Ça vient... J'ai lu ça hier, c'est un fait divers épouvantable. Ça vient d'Italie, ça vient de la mafia, Parme. La mafia italienne, la jambisation. Non, ça vient pas de Parme, la jambisation. Si, la jambisation de Parme. J'ai bien compris, ma bille. Non, mais je sais que vous avez compris, mais oui, non, moi, j'avais pas compris ce que je disais. Mais... D'où l'expression se tirer une balle dans le pied. Oui, si tu veux. Oui, ouais, sauf que c'est pas toi qui te la tire. Hein. C'est chiant. Et ça arrive en banlieue maintenant, de plus en plus. Et vous savez pourquoi aussi? Allez-y. Parce qu'on risque moins. En flinguant la jambe d'un mec, en flinguant le mec lui-même. Vous risquez 5 ans à tout casser. C'est coups et blessures. Sauf si vous tirez entre les deux jambes. On tire dans les jambes. Mais là, vous faites un trou de balle. C'est... Mais là, tu fais une couillisation. Là. On tire dans les jambes de son ennemi afin de le handicaper et de le marquer à vie. C'est le niveau bas du règlement de compte et une façon pour les malfaiteurs et les délinquants de marquer leur territoire et d'affaiblir un camp adverse. Ça vient effectivement de Sicile, d'Italie, de la mafia italienne. Et il paraît que maintenant, en Seine-Saint-Denis, il y a de plus en plus de cas de jambisation. Et là, effectivement, on nous racontait l'histoire d'un boxeur hier, qui ne pourra plus boxer de sa vie parce que on lui a tiré dans les jambes. On cherche toujours d'ailleurs celui qui lui a tiré dans les jambes. Ça s'appelle la jambisation. Mais même les flics, par exemple, s'ils disent à quelqu'un haut les mains, que le mec il met pas les mains en l'air, il lui tire dans les jambes aussi. Hein. C'est pour ça qu'ils disent pas haut les jambes. Pas forcément. Parce qu'ils auraient plus sur quoi tirer. Oh les jambes. Non mais comme ça après ils peuvent l'interviewer, enfin le... L'interroger. Ah, bien sûr, ouais. Bien sûr. Parce que s'il le tue complètement... Attendez Valérie, parce qu'il y a Nadine Evnou qui vient de perdre quelque chose. Non, parce qu'elle mime, alors elle l'a soulevé. Parce qu'elle a perdu son stérile. Elle veut absolument... Ah bah là, je me suis mis au niveau de ma bille, hein, et de Véronique, qui rigole comme un espèce. Ça va. Oh non, ça c'est pas le stérilisé, c'est le sac à main. Fais attention, Daniel Evnou. Arrête de vouloir ramasser avec quelque la valise chose. Ne lève pas les jambes, Daniel. Qu'est-ce que perdu, Ariel? Daniel, qu'est-ce que vous avez perdu? Ariel Evnou, tu ramènes ça à Bernard-Henri Lévy, il va tirer une tête. Qu'est-ce que vous avez perdu, Daniel? Mais rien. Mais si. Elle a entendu haut les jambes, donc elle a levé les jambes pour voir l'effet que ça fait. Et du coup, j'ai perdu mon appareil des oreilles. Ah oui, l'écouteur, oui. Non, un prompteur, je sais pas comment appeler ça. Oui, parce que si tu te mets ça dans, carrément dans les oreilles. J'ai cru qu'elle allait se mettre ça dans les oreilles, tu sais, comme les vieux. J'ai dit, non. Ça s'appelle, hein? Comment ça s'appelle le truc? Un casque. Se met... Non. Un casque. Quand une femme est seule et qu'elle s'ennuie. Un vibromasseur. Non. Un taser. Un tille. Un petit vibromasseur. Un taser. Une pompe à vélo. Ça, c'est pour se défendre, c'est pas quand elle s'ennuie. Mais non. Parce que si vous, les dames, qu'est-ce que vous mettez? Ça vibre, mais c'est un toy.
Un tic. Un Toy Story. Un tic. Un sextoy. Un sextoy. Bravo. Un sextoy story. Il a gagné. Un sextoy story qui sort aujourd'hui. Un sextoy aussi. Je vois Daniel. Ça fait tout. Avec Daniel, ça fait tout. Je vois Daniel qui rentre chez elle le soir. Il fait sombre. Elle se fait attaquer par trois méclouches. Elle sort. Un sextoy. Oh les jambes, les gars. Question qui nous permet d'évoquer le procureur Pinard, Ernest de son prénom, Ernest Pinard, qui s'est particulièrement fait remarquer dans les années 1850 pour un procès gagné et un procès perdu. Quel procès a gagné le procureur Pinard et quel est celui qu'il a perdu ? C'est au XXe siècle ? Ah, j'ai dit 1850, c'est donc le 19e. Hein. Ce sont des scandales ? Précisément en 1857, 1858, si je veux être plus précis. Scandale politique ? Scandale politique, non. Mais meurtre ? Meurtre, non. Une affaire Jean Zola dont on a parlé, une affaire Jean Dreyfus, pardon, dont on non a parlé, ce genre de choses. Contre l'État. Une affaire financière ? Contre l'État, non. Une histoire d'adultère ? Adultère, je suis obligé de vous répondre oui. Un divorce ? Un divorce, non. Crime passionnel. Alors, en tout cas, le procureur Pinard, vraiment, a laissé son nom dans l'histoire française. Il n'avait pas mis d'eau dans son vin, en tout cas, ce jour-là. Le Pinard, c'est de la vinasse, ça fait du bien, là où ce que ça passe. Allez, Bidas, prends donc ton car, vive le Pinard, vive le Pinard. Wow. Voilà, ça c'est de la musique. Alors... Quoi ? Mon grand-père aimait. Vous pouvez pas me la chanter avec la voix de Mireille Mathieu, oh plutôt. Non. Et pourquoi pas avec Carla Bruni. Le Pinard, c'est de la vinasse. Ça fait du bien là où ce que ça passe. Allez, Bidasse, prends ton mon cas. Ernest Pinard. Oui. Alors attendez. Est-ce que c'était contre une entité, genre une administration, ou contre une personne ? Contre. Alors, il y a un procès contre une personne qui l'a gagné, un procès contre une autre personne qui l'a perdu. D'accord. Donc, contre une personne. C'est des gens connus, c'est pas la même famille ? Pas du tout. Ce sont des affaires qui sont liées ? Indirectement, oui, du même genre en tout cas. Est-ce qu'elle c'était contre une femme ? Contre une femme, non. Une affaire de mœurs ? Alors de mœurs, indirectement, oui. Lui était très pieux, faut savoir, il se rendait chaque dimanche à l'église Notre-Dame pour écouter les prêches d'Henri Lacordaire. Le magistrat Pinard, évidemment, est passé à la postérité pour ses réquisitoires contre... Contre le clergé ? Non. Contre justement les... Ah mais non, puisqu'il était très... Non, oui, mais il contre, aurait pu... Contre des propos anticléricaux, c'est ça ? Anticléricaux, pas jusque-là. Est-ce que ça concerne les prostituées ? Des œuvres licencieuses ? Alors, oui. Des caricatures, la censure. Alors, effectivement, des œuvres licencieuses, oui. Est-ce que c'était des dessins, des caricatures ? Des caricatures, non. Des romans érotiques ? Des romans érotiques. Je suis obligé de vous répondre... Alors, ça dépend. Le Marquis de Sade ? En 1857, peut-être, mais pour moi, aujourd'hui, je suis obligé de vous répondre non. Est-ce que c'est lié à Sade ? À Sade. Non. Est-ce que c'est lié à Esmeralda ? Esmeralda, non. Non, mais c'est genre lié à l'éducation sentimentale ou un grand classique, mais qui était peut-être un peu scandaleux pour l'époque. Stendhal ? Là, on est en train de brûler, évidemment. Les liaisons dangereuses ? Pardon ? Les liaisons dangereuses ? Les liaisons dangereuses, non. Est-ce que c'est un rapport avec Victor Hugo ? Avec Victor Hugo, non. Madame Bovary ? Madame Flaubert. Alors, effectivement, et là, il perd contre Flaubert et Madame Bovary, un roman qu'il juge trop licencieux, car en effet, il s'agit... Voilà pourquoi, quand vous m'avez demandé s'il y avait un rapport avec l'adultère, bah oui, parce qu'évidemment, Mme Bovary, elle ne rêve que de ça, et d'ailleurs, elle le fait. Une belle salope. Mais l'avocat, Maître Sénard, va réussir à défendre particulièrement brillamment Gustave Flaubert, et Ernest Pinard perd le procès contre Flaubert. Et alors, tout de suite après, il y a une deuxième œuvre littéraire, qui n'est pas de Flaubert, celle-là. Est-ce que c'est une œuvre, c'est bien une œuvre française ? Et là, Pinard va réussir à faire... Maupassant, non, c'est plus non. tard. Jusqu'en 1949, ce sera toujours interdit, d'ailleurs. C'est... Interdit de publication. Le Diable au corps ? Des poésies ? Le Diable au corps, est-ce non. Est-ce que ce sont des non. poésies ? Des poésies, oui. C'est comment ça s'appelle ? Baudelaire. Les Fleurs du Mal. Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Bonne réponse de Beaugrand et Gazan. Vos blagues auraient été interdites à l'époque, hein, monsieur Bigard. Oh, il est vraisemblable que je sois à l'époque brûlé, oui, sur le bûcher. Ça, hein, au moins en prison. Eh bien, écoute, celle-là, elle est mignonne. C'est un mec qui rentre chez lui avec un jour d'avance. Il est en taxi et se confie au chauffeur de taxi. Il dit, vous voyez, je rentre avec un jour d'avance chez moi et je suis persuadé que ma femme me trompe. Donc, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de m'accompagner pour constater
l'adultère, je lui donne 150 euros. Le chauffeur de taxi dit OK. Ils rentrent très doucement à la maison. Ils arrivent jusqu'à la chambre. L'allume brutalement la lumière, tire sur la couette. Et qu'est-ce qu'il voit ? Sa femme avec son amant. Précisément, il sort un flingue énorme, lui colle sur le front et dit « Toi, je vais te fumer, sa femme !» Elle s'interpose, elle dit « Non, chérie, non, s'il te plaît, je t'en supplie, ne tire pas, ne tire pas !»« Je t'ai menti, mon amour, je n'ai jamais hérité de ma tante. Hein » Et la Lamborghini que tu as, que je t'ai offerte, c'est lui qui l'a achetée. Hein ? Et le yacht que nous avons, c'est aussi lui qui l'a acheté. Et le chalet au bord du lac, et tous les matchs de foot, les grands matchs que tu aimes regarder, c'est lui qui a payé les billets. Et en plus, il paye nos impôts. Alors là, le mec, il est un petit peu désemparé. Là, ça fait douter d'un coup. Il baisse son revolver. Il se tourne vers le chauffeur de taxi, lui dit « Vous feriez quoi à ma place ?» Le chauffeur de taxi dit « Ben moi, je lui remonterai tout de suite la couette pour pas qu'il attrape froid. » C'est mignon. C'est mignon. C'est Ariel que vous êtes quand même très magique, je dois dire. Donc, vraiment, je me permets de vous faire ce compliment parce que vous êtes une des rares femmes dont Isabelle Mergo n'est pas... Et vous êtes d'accord, Caroline Diamant. Isabelle Mergo n'est pas jalouse. Elle apparaît trop haute. Aucune agressivité, c'est vrai. D'habitude, Isabelle n'aime pas quand j'aime une autre femme qu'elle. Oui. Et vous, elle l'accepte. Ah non, mais... Un plan à trois est possible. Et un 4, voilà. Inviter BHL, c'est pas cool. Isabelle, mais pourquoi donc ? Mais parce que je l'aime beaucoup. Non, mais moi aussi, j'adore. De nouveau, on t'a pas demandé. Je répète la phrase. On est sur mon autoroute et tu prends ta bretelle. Bon, il n'y a d'amour que réciproque. Moi, j'admire. Comme disait Lacan. Exactement. Quelqu'un m'aime bien ou non, je passe. Non, mais une soirée au coin du feu avec un disque d'Ariel, ça passe tout seul. Ah, oui. C'est sympa, c'est quand même ce que j'aurais dû dire avec Ariel. Oh, vous voyez ce que je veux dire. Non, pas du tout. Pourquoi vous voulez faire un feu avec les disques d'Ariel? Non, mais parce que c'est le dernier apéro que j'ai fait à la maison, j'étais au bord du feu avec des amis et j'entendais bord du c'est feu. Si c'est... bon. Et t'avais une peau de bête. Ça vous fait quoi de mettre en musique des Partous Homo, Ariel? Oh, c'est la Dalida d'aujourd'hui pour les gays. Oh, quel compliment. Ça partait tellement bien. Un nom de Dalida, c'était... Enfin, moi, j'aimais Dalida. Ah, c'est vrai, vous seriez capable de nous fredonner du Dalida, Ariel? Il venait d'avoir 18 Fini ans. Fini la comédie. Et il bandait comme un Allemand. Mais il y avait qui devant la cheminée à part vous quand vous écoutiez du Ariel Dombal alors Stevie? Pierre Ramonet. Ah bah tous mes copains de d'habitude. Comment ils s'appellent? Bah il y a la mère d'Avier. Mais après tu dis que c'est nous. Ah oui d'accord. Ah la bonne soirée hétéro. Tous mes copains bah oui, c'est pas la plus grande masculinité du monde mais bon il y a quand même des gens sympas non. Ça doit être chouette. Hein ah non on rigole bien. Ouais. J'imagine. Ouais. Ah non on rigole bien, il y a quand même des cas chez nous. Ah ouais. Non c'est des mais gens. Pourquoi vous faites un feu? Parce qu'il fait froid? Parce que. Parce que c'est vous savez c'est la période hivernale en ce moment. Même moment, il fait froid. Vous ça permet de mettre une bûche de temps en temps. Voilà. Non, mais il n'y a pas de femmes? Si, il y a des femmes, il y a ma mère. Oui. Pour le service. Maman, nous, on met une bûche, elle est occupée. Mais non, mais ma maman, elle fait des plats pour tout le monde, des pâtes, des machins. Sûr, pour les sûr, tout ça en filmant, bravo. Allez, une question pour Nicolas Dichico qui habite Nîmes. Et la question concerne Marcel Chevalier. Marcel Chevalier qui, grâce à son oncle par alliance, sera le dernier de la liste. Mais dernier de quelle liste? C'était Maurice Chevalier, son oncle? Non, pas du tout. À la Gacan, non? Non plus. C'est un chevalier? Non, non plus. Marcel Chevalier, grâce à son oncle par alliance, restera pour toujours le dernier de la liste. Est-ce qu'il bénéficie d'un pouvoir genre bourreau ou une fonction? Expliquez. Il était bourreau et ça se transmet par le père ou l'oncle. Et donc, c'est le dernier bourreau au monde? Pas au monde. En France. Le dernier bourreau en France. Bonne réponse de Laurent Baffie. Ah, moi...
Moi, je ferai des cartes de visite avec. Hein. Ouais. Marcel Chevalier, neveu par alliance du précédent bourreau, car c'est ainsi qu'on transmettait effectivement ce métier de bourreau, n'a procédé qu'à deux exécutions. Oh, pauvre chou. Feignasse. Elle était au chômage. Ben, oui, en 81, évidemment, au moment de l'abolition de la peine de mort, il s'est retrouvé au chômage, Marcel Chevalier. Il faut dire qu'il avait été aide du bourreau précédent, son oncle par alliance, André Obrecht. Mais lui, quand il a obtenu le poste, il n'a officié qu'à deux décapitations. Jérôme Carin à la prison de Douai en 77 et Hamida Djandoubi le 10 septembre de la même année, toujours en 77, à la prison des Baumettes à Marseille. Et c'est le dernier bourreau français, Marcel Chevalier, qui a fait ce métier. Dernier d'une longue liste depuis la famille Sanson. Sanson, parce que c'est la famille Sanson qui est connue pour être bourreau de père en fils. Et il travaillait avec Dalida. Sanson et Dalila, oui. Depuis le 16e siècle, la famille Sanson. C'est... Mais il n'a pas eu le temps de se faire la main avec deux. Non mais c'est vrai. Bah non, après coupé, on tuait comment d'ailleurs en 77 avec une hache. Bah non, la guillotine c'était. C'était évidemment avec la guillotine, Caroline Diamant. Mais avant c'était avec la hache, avant l'invention de la guillotine. La hache. Après il y a eu la gilette, la première lame coupe la tête. Et la deuxième la recoupe avant qu'elle ne se rétracte. Et alors, le dernier guillotiné, c'est sous Giscard. Ah oui, en 77, on vient de le dire. Les deux derniers, 77. Oui, mais j'ai dit sous Giscard. Toujours précise. J'ai rajouté ça quand même. Il était tué sous Giscard. Plus-value. Il était plein de sang, Giscard. Bah oui, c'est une plus-value évidente. Il s'est aboli sous Mitterrand, donc forcément, avant, c'était sous Giscard. Ben oui, mais écoutez... Ben c'est bien qu'elle sache que le 77, c'est sous Giscard. Non, mais j'aime beaucoup le 77, c'est la Seine-et-Marne. J'aime beaucoup le nouveau livre d'Ariel, L'Art de l'Évidence. En tout cas, retenez ce nom, c'était le dernier bourreau français, Marcel Chevalier. Bonne réponse de Laurent Baffie. L'autobiographie de Madame Bach. Il faut dire qu'elle va avoir 80 printemps cette année. Il était temps qu'elle sorte, Madame Bach, son autobiographie. Mais de quoi s'agit-il ? Alors, Madame Bach, c'est comment, comme Jean-Sébastien ou exactement, pas du tout ? Exactement, B-A-C-H. Mais on la connaît sous un autre nom. Évidemment. Les fleurs de Bach. Oui, les fleurs de Bach. Eh ben, elle est herboriste. De la médecine ou herboriste. Elle pas du tout. Mais non, c'était Monsieur Bach qui a fait les fleurs de Bach, donc ça ne peut pas être Madame. Madame Bach, elle était... toujours une femme, c'était une actrice. Actrice, on l'a vu au cinéma, mais c'était pas une actrice. Mais chanteuse. C'était Barbara Bach, la femme d'un des Beatles. Barbara Bach, non. Mais c'était pas con. L'autobiographie de Madame Bach. C'est une chanteuse, cantatrice. Une cantatrice, oui, non. Lotte Baccara. Pardon. Rien à voir. Non. Mais une chanteuse, pas d'opéra, mais une chanteuse. Une chanteuse, mais pas d'opéra. Ah, c'est Mireille Mathieu. Ah non, c'est Madame Bach. Bah, non, pas on mariée, a dit une chanteuse. Mais, une chanteuse. On la une chanteuse lyrique. Ah, lyrique, non, mais avec. Elle a eu pendant longtemps. Bon, alors là, évidemment, elle a 79 ans, elle en aura 80 cette année. C'est Petula Clark. Elle chante, non, elle est encore plus vieille que ça. C'est Tina Turner. Et c'est Tina Turner, ouais. Bonne réponse de Michel Bernier. Et quel âge qu'elle a, Tina Turner ? Eh ben, oui, on vient de vous le dire, 80. Elle fait pas des bios très souvent, Madame Turner. Non. Elle raconte des trucs horribles. Elle a épousé Erwin Bach il y a quelques années, son deuxième mari. Et Monsieur Bach, qui est d'origine allemande, lui fait vivre une très jolie fin de vie, Madame Bach. Tant mieux, parce qu'elle en a chié avec Turner. Mais est-ce qu'on peut avoir une belle fin de vie quand on est la belle-mère de Afida Turner? Mais elle n'est plus. Elle est plus. Ils sont séparés. Donc elle va mieux, je pense, Tina. Ça intéresse les gens ou pas? Vous n'êtes pas potin. Est-ce que Mireille Mathieu est toujours avec Yves Mourouzi? Oui, et au quatrième top, il sera 18h. C'est aux éditions HarperCollins, c'est ça. Non, mais ça va faire du bruit, hein. Vous savez, l'autobiographie de Tina Turner, parce qu'elle a quand même eu une longue vie déjà. Une immense chanteuse. Ben voilà, allez, Valérie, chantez-nous du Tina Turner ou du Yvette Turner, ce que vous voulez. Ah non, je ne peux pas chanter du Tina Turner. Elle a une voix extraordinaire. Et puis alors là, je ne l'ai plus dans la tête. Hein. Alors, il faut savoir qu'elle est chauve, hein, Tina Turner. Non. Ah oui. Ah oui, et que les fameuses crinières qu'on a vues toutes ces dernières années sont des perruques, sont des fausses crinières. Ah, non, ça c'est comme le court de tennis, alors. Mais ça se voit dans le film Tina, si vous connaissez ce film, qui raconte sa vie, qui est un film extraordinaire. Absolument. Avec Angela Bassett. Et bien justement, c'est au moment où elle sait faire des teintures. Au début des années 60, elle a eu un accident de décoloration qui a sacrifié sa crinière originelle. Et depuis les années 60, elle porte une
mais voilà, une perruque, un postiche. Méfiez-vous avec vos décolorations, vous. Oui, tu vois que je fais des flash retour de plage, mais il ne faudrait pas que ça tombe, mais je veux que j'ai un trou et tout ça. Ah, c'est un flash retour de plage. Ouais. Mais je mettrai des. Un flash retour de plage marée noire, lui. C'est passé devant un radar. Ceci dit, ça revient à la mode, les perruques maintenant. Tout le monde dit. Tout le monde en met. Pour une petite soirée, machin. Si on vous voyait avec votre vraie couleur, ce serait quoi votre vraie couleur? Oh, c'est châtain foncé. Ah oui. Et non, puis après, l'été, si tu veux, avec le soleil, et ça varie. Et les couleurs, elles s'éclaircissent. Mais quand j'étais petite, j'avais les cheveux. T'étais petite. Il y avait les cheveux à la Stone, Claude François, comme ça, ma mère a coiffé. Mais blond, blanc. Oui, donc t'es blond. Bah, alors qu'aujourd'hui, si, vous auriez des cheveux blancs, en fait, comme Jean-Jacques Perroni. Bah, oui. Non. Mais moi, je vais chez le coiffeur, chez Franck Poivreau. Mais lui, il a les cheveux fort blancs. C'est ce qu'a dit ma mère, tant qu'il y a de la neige sur le toit, il y a du feu dans la cheminée. Ben, elle a raison. J'adore. Ah, dans la presse, aujourd'hui, on parle beaucoup de bisons ravis. Et la question vaut évidemment pour Thierry Van Der Straten qui habite Thomery en Seine-et-Marne. Mais qui est Bison Ravi? C'est le nouveau bison parce que le... Non, c'est pas possible. C'est pas... Oui, il est ravi maintenant. Avant, il était futé. Futé, voilà, oui, c'est ça. Et mais comme Bison Futé est efficace, maintenant le bison est ravi. Ravi, bien sûr. C'est pas ça. Un point sur les bouchons, Jean-Jacques. Oui. C'est bien ça. C'est bien. Mais moi, en ce moment, on ne me sert jamais à boire, je joue la patrouille perdue. Aucun rapport avec Bison Futé. C'est le totem de quelqu'un ? Bison Ravi et Bison Futé ne se connaissent pas. Ça a rapport avec un livre ? Un livre, en plusieurs. Avec même. Une œuvre ? Avec une œuvre, on peut même dire. C'est le avec totem l'histoire scout. De France. Pardon. C'est un scout dans le totem et Bison Ravi. Ce n'est pas un scout dans le totem et Bison Ravi. Ah, c'est un Indien ? Ouh, c'est Bison Ravi. Il tient une boîte. Alors, il se met les couilles dans Michel Serrault aurait pu jouer. Ah bah oui, bien sûr. C'est, ça tombe bien parce que moi, comme je fais la biscotte, moi, je suis ravioli. Oh, c'est Renato. Bison Ravi. C'est Laurent Ruquier. Oh, Péroni, toujours bourré. C'est une œuvre d'un auteur américain. Ce n'est pas une œuvre d'un... Non, Bison Ravi, c'est quelqu'un. Ah, c'est quelqu'un. Est-ce que c'est une personne qui est déjà venue ici à RTL? Oh, sûrement à l'époque, mais pas depuis longtemps. C'est une personne âgée. En tout cas, au moins pas depuis 60 ans. Ah, oh mais c'est un Canadien plutôt, peut-être. Un Canadien, non. Non. C'est un Français. Un Français, oui. C'est quelqu'un qui parle? Comment ça? Quelqu'un qui c'est est pas un Français c'est un muet. Mais c'est quelqu'un qui est vivant. Je vous ai dit qu'il est mort. Il est mort il y a 60 ans. Il est mort donc mort en 59. Exactement. Donc c'est Maurice Chevalier. Non. Et je l'ai connu, moi. Boris Vian. Et oui, évidemment, Bison Ravi, c'est l'anagramme de Boris Vian. Bonne réponse d'Antoine Duléry. Bravo. C'est lui qui avait mis ça sur sa boîte aux lettres, voyez-vous, Bison Ravi, parce que c'était évidemment les lettres de son nom, Boris Vian, Bison Ravi. Vous connaissez des chansons de Boris Vian, Stevie? Je vais rafraîchir votre mémoire, par exemple. Coluche, pendant des années sur la radio concurrente, puisqu'il l'avait réinterprété lui-même. On n'est pas là pour se faire engueuler. J'aimerais tant voir Syracuse. Ah, ça, c'est pas Boris Vian. C'est pas Boris Vian. Pas du tout Boris Vian, c'est pas de chance, hein. Boris Vian, c'est... J'adore vous entendre. Il y a aussi Je vous écris cette lettre, c'est qui monsieur le Président. Évidemment. Oh. Monsieur le Président... Je vous écris cette lettre. Le désertor. Vous lirez peut-être si vous avez le... Interprété par Serge. Man.
même hein, qu'on entend chanter. Et c'est vrai, quand on voit la liste des pseudonymes qu'il a pu prendre, c'est assez dingue. Il en prenait des tas. Vernon Sullivan. Alors, Vernon Sullivan, Bison Ravi, Andy Blackshish, Xavier Clark, Aimé d'amour, Michel Delaroche, Gédéon Moll, Adolf Schmurtz. Vous voyez, il en a pris des pseudos pour écrire ou signer textes, chansons ou romans. Quand il travaillait avec Henri Salvador avait un pseudonyme lui aussi, il s'appelait Henri Cording. Exact. Et il faut rappeler qu'il est mort, on l'a déjà dit plusieurs fois ici, mais on peut le rappeler une dernière fois à l'occasion de cet anniversaire. Il est mort dans la salle de projection du cinéma Le Marbeuf, où on projetait une adaptation de son célèbre roman « J'irai cracher sur vos tombes ». Effectivement, il s'effondre dans son fauteuil au moment où il voit sur l'écran ces mots qui apparaissent d'après le roman de Vernon Sullivan, traduit de l'américain par Boris Vian. Parce que là, il se dit, ben non, mais enfin, c'est n'importe quoi, j'ai pas traduit, c'est moi qui ai écrit. Et il a une attaque cardiaque et c'est ainsi qu'il meurt. Voilà la fin de Boris Vian, alias Bison Ravi. Oui. Je vous raconte comment ça s'est passé. J'ai regardé le début de l'interview, puis à un moment donné, je sais pas, mon chien m'a appelé dans la cuisine, c'est ce que c'est, je suis comme vous, je regarde la télé avec mon chien. Et d'un seul coup, j'entends sonner, mais une sonnerie comme un vieux téléphone. Oui, comme un vieux téléphone. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai pas de sonnerie comme ça chez moi. J'ai cru que c'était le réfrigérateur qui était évidemment mal fermé, j'ai cherché partout. Deuxième sonnerie, je dis, mais ça vient de la télé. Et là, je m'aperçois que c'est le téléphone d'Olivier de Kersauzon. À clapet. Qui a sonné trois fois pendant l'interview de Laurent Delahousse. Et je me suis dit, mais j'étais content. J'étais heureux. Ah, je me suis dit, même Delahousse y a le droit. Non, un coup de promo. Non, mais qui appelait? Ah, alors ça, c'est pas nous. Il y a d'abord eu un texte. Je vais vous dire qu'on est plusieurs à s'être appelés et à avoir résisté, mais on se disait, allez, on le rappelle. Non mais franchement, dans ces cas-là, on se lève et on fout une baffe à... Je sais pas moi, enfin, c'est bien parce que vous êtes costaud, hein. Quel lâche ce Delahousse. Moi, je vous aurais viré de l'interview depuis longtemps. Je regarde, mais monsieur... Dire, hey, comme tu m'as cassé la gueule, chaque fois que mon téléphone sonnait dans ton émission... Non, parce qu'ici, c'est une émission comique, alors, alors évidemment... Eh bien, Delahousse, c'est pas comique, sans doute. L'attaché de presse là, du Cherche Midi, car c'est un excellent ouvrage paru au Cherche Midi Édition, elle peut pas le garder avec elle, votre téléphone? Attends, je débarquais de l'avion, moi, j'étais en voyage, j'étais ailleurs un peu quand même. Mais t'as pas un vibreur que tu peux mettre dans ta culotte? Il y a longtemps qu'il est plus chargé. Hein. C'est, je vois que t'as gardé le même niveau de raffinement dans cette émission. T'as regardé dans ta culotte, hein, alors, moi je me garde dans ma culotte, hein, mettre des trucs dans ma culotte. Ah ben il y a Pipo et Mario qui sont réunis. Ouais. Monsieur Plaza. Ça donne un peu cette impression, Pipo et Mario. Qu'est-ce que vous avez dit sur Olivier de Kersauzon d'ailleurs avant que l'émission démarre? Vous avez dit un truc, je sais plus ce qu'il a dit. Il a dit un truc. Il a dit une saloperie. Non, j'ai dit que c'est quand même étonnant de conduire des bateaux quand on ne sait pas éteindre un téléphone. Tu conduis des bateaux, toi? Bah non, moi je conduis pas, moi je suis pas éteint. On navigue des bateaux quand on conduit. Je n'ai pas éteint un téléphone, mais je suis capable de faire fermer leur gueule à certaines catégories d'individus. Tu vois ce que je veux dire? Non, juste pour ça. À la cantonade, je parlais. Les gens vont regarder derrière, mais il y a personne. Les agents immobiliers à clapet, on peut leur faire fermer. Franchement, monsieur de Kersauzon, certes, il y a Pipo et Mario qui sont là, mais regardez le niveau de cette émission, madame Auprès. J'ai pour vous fait livrer de l'Académie française. L'Académie française, monsieur. Pourquoi il n'a pas le costume? Pardon? Il n'a pas le costume? Je sens du paquet. Et moi, je sens le pâté, moi. Attends. Oui! Ça fait des années qu'on n'osait pas vous le dire. Alors là, pour sentir le pâté, oui, vous sentez le pâté. Monsieur Lambron, vous connaissez Olivier de Kersauzon? Vous l'avez déjà rencontré? Non, jamais. Sinon, avec mes oreilles, quand j'écoutais les grosses têtes. Ah oui? Ah bah oui, là, nous avons un monument historique. Alors là, monsieur de Kersauzon... Un monument historique, oui, ça fait mieux. Comme quoi, monsieur est académicien, mais quand même pas complètement inculte. Ah, vous voyez? Alors, vous allez voir. Je connais les sites classés. Alors,
vous allez voir, c'est vraiment... Oh là là, ce qu'il est dur avec toi. Hein? Monsieur Lambrin, qu'est-ce qu'il est dur avec toi. Lambrin, Lambron, ah non, monsieur... Lambron. C'est Lambron, pas Lambrin. On parle de Marine, on parle de bateau. Mais non, on parle de téléphone, il connaît mieux le téléphone que le bateau. Ah, les deux autres cons, ils n'ont même pas compris que c'était fait exprès. Oh là 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 là. Mais oh. comme je suis lyonnais, vous devriez dire Monsieur Brun plutôt. Ah, Monsieur Brun. Wow, référence à Pagnol, évidemment. Passons à une première citation, justement. Ouais. Et ce sera une citation. Non, je le dis pour vous, la référence. Oui, à Pagnol, j'ai bien compris. C'est pour ça que je l'ai attrapé. Ouais. Ouais. Pour Monsieur Didier Loré, qui habite Le Loroux-Botreau, c'est en Loire-Atlantique, qui a dit inventer quelque chose, ça consiste à ramasser les idées des autres et à en tirer des conclusions auxquelles ils n'avaient pas pensé eux-mêmes. Français ? Français, oui. Gad Elmaleh ? Non, mais c'est quelqu'un qui a bien pratiqué ce genre de choses. Le plagiat. Le Luron ? Pas le Luron. Coluche. Et c'est Coluche. Ah. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation pour Jean-Pierre Garnier, qui habite Brie-sur-Marne, qui a dit « Un analphabète est un individu définitivement épargné de la lecture de Jean-Paul Sartre. Ah, » ça c'est Mireille bien. Mathieu. Ah. Il y avait deux mots qu'elle ne connaissait pas dans la phrase. Alors écoutez, je note les noms que vous proposez, ça va être très intéressant. Est-ce un homme ? Mireille Mathieu, oui, c'est un homme. Vivant. Un français. Un homme bon. Vivant, français. Qui est vivant, oui, vivant. Bien vivant. Académicien ? Académicien, non. Humoriste ? Ah, l'autre salaud. Goncourt. Goncourt, non, mais il le mériterait. Il est humoriste. Carceson. Oh. Pardon ? Olivier de Carceson. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Donc, Bernard Mabille, vous avez comparé Olivier de Kersauzon à Mireille Mathieu. Oui. Dites pas ça, je suis à côté de lui, arrêtez. Mais vous pouvez nous dire cette belle phrase. Un analphabète est un individu définitivement épargné de la lecture de Jean-Paul Sartre. Et c'est dans le nouveau livre de Monsieur de Kersauzon, publié au Cherche Midi Éditeur. Eh bien, Balthazar Barrault est un secrétaire qui aurait écrit la cinquième partie d'un livre. Il y en a 12 livres, 5 parties, 5000 pages. Mais Balthazar Barrault était le secrétaire de qui ? Puisque l'auteur de ce livre de 5000 pages est mort avant de pouvoir en écrire. Voltaire ? Non. Cervantes ? Cervantes, non. Alexandre Dumas ? Pardon ? Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, non. C'est donc son secrétaire, Balthazar Barrault, qui a terminé, oui, français, qui a terminé cet ouvrage. De quel roman s'agit-il ? Un des grands romans de la littérature française. Roman fleuve, vous l'aurez compris. 12 livres, 5000 pages, 5 parties. Et la cinquième partie a été écrite par le secrétaire Balthazar Barrault. C'est pas Balzac. Balzac, non. Prête-moi ta plume. Zola, non. Jules Romain, non. C'est quelle année qui a été publié le livre ? Alors, le livre a été... Romain Rolland, non. Le livre a été publié, on va dire, au XVIIe siècle. Ah oui, d'accord. Ah oui, alors, XVIIe siècle... Entre 1607 et 1633. Oui, alors, je ne l'ai plus. L'Astrée ? Pardon ? Est-ce que c'est l'Astrée ? L'Astrée, l'auteur, donc. Monsieur Honoré d'Urfé. Excellente réponse de Marc Lambron. Là, on ne peut pas lutter. Astrée, moi j'avoue que j'ai jamais l'Astrée, lu. L'Astrée, oui. L'Astrée, oui. Ça n'a rien à voir. Si on est dyslexique, on ne vient pas ici. C'est l'Astrée. C'est le premier oui, roman. Oui, il va aller à la bibliothèque, il va demander de l'Astra, lui. C'est le premier roman français. Ça s'appelle une bergerade, les amours, une idylle en milieu rural, comme ça. Parfois, il est chiant, mais... Un roman pastoral, on peut même dire. C'est entre hommes et animaux. Non, c'est pas un pasteur. Moi, en tout cas, je dois dire que je suis pas très bien traité ici. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais une question de physique nucléaire, de trucs comme ça, où je peux m'éclater. Où tu brilles. Je peux m'éclater. Quand je pose des questions sur la chanson française. Mais la chanson française, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est regarde tous ces visages, tous ces visages qui c'est le premier rang qui vous intéresse. Oui. Non. Vous pouvez visiter au troisième rang, il y en a une, dis donc. Avec des lunettes et coiffée comme ça, vrai au milieu. Mais tu ne peux plus dire ça. Vous pouvez visiter le château, il est magnifique. Le château d'Honoré d'Orphée, moi je fais le guide, dans le forêt. Moi je préfère visiter la chambre de bonne de ma mère, là.
Mais c'est une mère, c'est une mère, elle est où cette dame? Moi, je préfère une mansarde avec un cœur qu'un château avec une princesse que je n'aime pas. Oh, c'est magnifique. Parce que je vis avec une princesse. Laquelle? Mais je la vis avec la princesse Margaret. Et alors, c'est ça que tu, c'est comme ça directement que tu veux me déclarer ton amour. Balthazar Barrault, en tout cas, était bien le secrétaire d'Honoré d'Urfé, auteur du premier roman fleuve de la littérature française, L'Astrée. Ça date effectivement du XVIIe siècle. Il était né à Marseille, Honoré d'Urfé. Et il est mort à Villefranche-sur-Mer. Ça se lit, c'est bien à lire, L'Astrée. Oh oui. Bah, c'est une histoire d'amour entre bergers. Entre bergers, assez homosexuel. Berger-bergère. Ah bon. Non, c'est pas. Ah, c'est une. C'est pas entre Pierre Berger et son cousin. Il faut dire une idylle pastorale, comme on dit. Oui, et c'est pas un bâton de berger pour notre ami Stéphane Plaza qui va se ruer dans le prochain. Ah non, mais il fallait quand même trouver Honoré d'Urfé, ça je dois dire. Ça se passe dans le Forez, pour qui veut le savoir. Mon cher Marc, l'avez-vous lu? Oui. Ah non, je l'ai pas lu, je suis allé voir le château. Qui est... Il est où le château? Il est dans le Forez et il y a le seul cabinet de rocaille à l'italienne dans un château français. Et aujourd'hui, si on appelle encore certaines porcelaines venant de Chine ou de Corée des Céladons, c'est effectivement à cause du nom du second personnage de ce roman, Céladon, Astrée et Céladon. Bravo en tout cas à Marc Lambron. Vous allez chez le pharmacien et que vous demandez de l'écrinal ou du Vitry. Et que vous prenez tout ça pour prendre des capotes. C'est pourquoi? C'est de l'écrinal ou... De l'écrinal. De l'écrinal. Ou du Vitry. C'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes? Oui, sur les deux produits que vous achetez dans ce cas-là, mais dans quel cas? C'est diminutif de... quand on est enceinte. Non, pour les hommes aussi. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est pas bonne. Mais les hommes aussi sont enceintes maintenant. C'est diminutif de vitriol? Non. Est-ce que ça a un rapport avec l'épidémie qui vient de là-bas, des gens qui viennent de loin? Coronavirus? De la Chine? Est-ce que ça a un rapport sur la peur? Non, madame Evenou. Ça se boit? Oh non, ça ne se boit pas, l'écrinal. Ça se met dans les yeux? Ça se met pas dans les yeux. C'est sur la peau, en tout cas, c'est cutané? Cutané. Oh, qu'est-ce qui est cultivé, mon Dieu? Bah, cutané, c'est cutané. Pas... Non, on va pas sortir sincère pour savoir qu'un produit qu'on met sur la peau, c'est un produit cutané. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est-à-dire que quand il part en vacances, il fait du nu intégral, alors il revient toujours cutané. Pas qu'en vacances. Est-ce que moi, par exemple, je peux m'en mettre? Vous, je ne crois pas que vous ayez besoin. Tu risques plus rien. Pourquoi elle ne peut pas, Daniel? Je ne pense pas que vous ayez besoin d'écrinal ou de Vitry. C'est un rapport avec l'âge? Avec l'âge, non. C'est des maladies sexuellement transmissibles? Ah, pas du tout. Pas du tout. C'est des boutons? Elle pense qu'au cul. Ah ouais. Mais elle a bien raison. Oh, c'est parce que quand je vois à Daniel que je pense au cul, je sais pas pourquoi. Oui, bien sûr. Ouais. Bah c'est... Elle pense qu'au sexe. Pierre, elles sont terribles ces deux-là. Bah... Moi, j'ai démissionné. Elles ont usé Pierre en 10 ans. Non, parce que tu te rends pas compte. Comme ça a l'air de rien. Mais quand on finit l'émission et qu'elle dit « Tu as bien fait le malin, viens par ici, mon petit gars !» Eh ben, il faut fournir. Alors, la question, c'était... Écrinal ou Vitry? Mais ça se met partout ou c'est réservé à un endroit du corps? Ah non, justement, ça se met pas partout. C'est des vitamines? Ça se met à un endroit bien précis. Ça se met sur la tête? Ah, sur la tête, non. Des vitamines, non. C'est pour les dents qui poussent? Ouf. Pour soulager les bébés? Alors, nous, on mettait une dent de taupe, mais ça a peut-être changé. C'est pour les yeux. Pardon, expliquez-moi. Bah, quand on est jeune, les bébés, à une époque, quand on allait voir leur bouteux parce que le bébé avait mal aux dents, leur bouteux, ils mettaient dans une petite poche en tissu une dent de taupe. Et à ce qui paraît, ça soulageait l'enfant. Mais ça, c'est une sorcellerie. Elles sont chouettes, les traditions du Mans. Hein. Ah, ouais, je sais pas si c'est du Mans, c'était dans l'Indre-et-Loire. Mais... Et il y avait que des... Non, mais il est l'air des 822. Est-ce que c'est un produit pour aider, pour pousser des petites bêtes? Pour pas s'il y avait des poux, s'il y avait quelque chose. Non, aucun rapport avec les poux. 30 secondes. C'est plutôt solaire. Pour les enfants alors ou vraiment pour tout âge? Non, adultes et enfants. Et c'est très localisé sur le corps. Ah, ça oui, c'est localisé. C'est sous forme de suppositoire? Les ou oreilles. Pas alors, sous forme de suppositoire, pas du tout. Vous avez dit? Les oreilles? Les oreilles, pas du tout. La chatte?
Pardon. La chatte, enfin le je sais pas comment on dit le sexe de la femme. Mais pourquoi vous montrez votre Il s'est caressé. Il se met la main entre les jambes et il dit la chatte. Oui. Mais il est fou. Mais il est complètement fou. Je sais pas comment on dit le sexe des femmes. Bah, le sexe d'une femme. Ben non, on a plein de mots. Les femmes, c'est plus. C'est parce que tu l'utilises pas, mais c'est pas. il est fou ce mec. Bah, comment quelqu'un. Allez, dans une conversation normale, tu veux parler du sexe de la femme, t'emploies quel mot? Comment tu vas dire chatte? Enfin, ça c'est vulgaire. Oui, c'est vulgaire, chatte. Tu dis vagin. Mais tout le monde dit chatte. Tu dis vagin. L'écrinal ou le Vitry, et tant mieux, c'est un chèque RTL qu'on envoie à Sylvia Guibert. C'est quelque chose que vous achetez quand vous souffrez d'onychophagie. D'onychophagie ? De quoi c'est que ça ? C'est quoi onychophagie ? C'est quoi ? C'est donc une deuxième question pour un auditeur. Oh non ! C'était trouvable, monsieur Ruquier, c'était trouvable. Alors, je vais vous dire, l'onychophagie, c'est se ronger, manger les ongles. Alors si vous le faites de façon, on va dire, irrégulière, c'est pas grave, hein, évidemment. Genre, je me coupe les ongles une fois tous les deux mois. Bon, bah, mais si, évidemment, vous rongez les ongles, là, il faut aller chez le pharmacien et acheter effectivement de l'écrinal ou du Vitry. C'est du vernis amer, en quelque sorte. Ah ouais, c'est tout bête, c'est tout bête. Ou chez les psychiatres, parce que c'est une forme d'auto-anthropophagie. Moi, on a voulu m'en mettre parce que je suçais mon pouce. Ah oui. Oui. Ouais. Mais et, puis, et puis finalement, il a trouvé autre chose. J'ai jamais pu m'endormir. J'ai une question pour Valentin Tomatis, qui lui habite Charentais dans le Rhône. Qu'est-ce qui est vert quand il est dans le Nord et qui peut être blanc quand il est noir? Hein? Pardon? Qui peut être blanc quand il est noir? Qu'est-ce qui est vert quand il est dans le Nord et qui peut être blanc quand il est noir? C'est une grenouille, en tout cas. Non. C'est pas ces histoires de gosses, c'est une grenouille. C'est pas du tout une histoire de gosses, c'est une question que j'ai inventée moi-même, monsieur Mabille. Mais elle est vachement bonne. Hein. Et si vous aviez lu la presse aujourd'hui, vous sauriez. Mais c'est un animal ou pas? Un animal, non. Un petit pois? Non. Qu'est-ce qui est vert quand il est dans le Nord et qui peut être blanc quand il est noir? C'est un légume? Un légume, non. C'est un feu? Un feu, non. Mais là, c'est le coup des planètes, là. Là, c'est les planètes. Quoi, les planètes? J'avais une planète. C'est pas une planète. Une planète, non. Ah. Regardez, j'aime bien quand Gazan. Regardez la tête de Gazan qui réfléchit. Oui, oui, oui. C'est pas lié au trou noir. J'ai la grosse veine qui dépasse. C'est pas lié au trou noir. Il faut répondre à ma question. Qu'est-ce qui est vert quand il est dans le Nord et qui peut être blanc quand il est noir? Le trou vert, le trou noir. L'hémisphère. Le trou noir dans l'hémisphère nord. Et le trou vert. Le trou vert quand il chante. Et là, c'est un troubadour. Ah. Excellente réponse de Bernard Mabille, aidé par Florian Gazan. C'est ça. Mais n'importe quoi. C'est pas vrai. La réponse, c'est un trou. Parce que. Un trou vert, c'est dans le Nord. Dans le Sud, c'est un troubadour. Oui. Donc, qu'est-ce qui est vert quand il est dans le Nord? Un trou. Et qu'est-ce qui peut être blanc quand il est noir? Le trou noir qui est trou blanc. Non mais attends, c'est dégueulasse. Non mais Laurent, c'est dit trou noir. Ah oui. Alors là. Non mais Laurent. Je dois dire que c'est recherché. Bravo monsieur le directeur. Laurent, je veux porter plainte parce qu'il y a du favoritisme. J'ai dit trou noir et vous m'avez envoyé balader. T'as pas dit le trou vert. Trou noir, faut dire trou. Oui. Oui. Avec la réponse, j'ai pas encore intégré. Bah oui, je recommence, Valérie. Qu'est-ce qui est vert quand il est dans le Nord? Expliquez-lui, Jean. Voilà. Mais trou. Parce que un trou vert, c'est dans le Nord. Un trou vert, un baladin, un trou vert. Donc il a la langue d'œil. Et puis un trou noir, c'est blanc. Voilà. Non, c'est troublant. Mais non, un trou noir, c'est troublant. C'est troublant. Voilà. Le trou lui-même, il est où? Dans la terre? Alors là, vous faites bien de me dire ça, Valérie Mérès, parce que vous avez raison. Venons-en carrément à l'information. Je dois dire que j'ai lu au moins 3 articles sur ces fameux trous noirs. Je n'y comprends rien. Ah bah oui. Mais Einstein l'avait compris il y a un siècle de ça. Ils disent que c'est une photo, mais que c'est pas tout à fait une photo. Oui, c'est ça que j'ai pas compris. J'ai jamais cherché à comprendre. Je rentre dedans direct. Et d'ailleurs, le trou. Moi, ce que j'ai pas compris. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Le vrai trou noir, il aspire et on peut pas en ressortir. Ce que j'ai pas compris sur la photo, c'était le trou noir, mais il y avait pas de poils autour. Elle a été épilée. Un trou noir se forme lorsqu'une masse devient si concentrée. Bon, prenez Bernard, par exemple. Voilà. Ça, c'est un trou duc. Un trou duc, attends. Ce
qui est vrai, c'est qu'à l'ouverture du trou vert, j'ai la flûte enchantée. Oh. Un trou noir se forme lorsqu'une masse devient si concentrée qu'elle déchire l'espace-temps. Alors déjà, déchirer l'espace-temps, faut y aller. Hein, recoudre après. Quoi. Bah, l'espace-temps, c'est qui l'espace-temps, c'est pas compliqué. Y a ah, mais c'est ce qui permet de retourner en arrière. Oui, le replay. Non. Non, ça s'appelle le moonwalk, ça. Alors, ça déchire l'espace-temps et ça forme un puits gravitationnel sans fond. C'est comme un vortex. Et ça aspire. Rien de ce qui s'en approche de trop près, pas même la lumière, ne peut alors s'en échapper. Ah, oui. La limite au-delà de laquelle tout reste piégé dans un trou noir, sans possibilité d'en ressortir, définit ainsi une sphère parfaite d'un noir absolu. Oui. C'est un sac aspirateur, en fait. Ça, c'est des trucs pour Netflix, ça, vous voyez. Bah, oui, les séries qu'on comprend rien. Mais il y avait déjà des trucs comme ça dans Star Trek. T'as combien de millions d'années-lumière? Mais on comprend pas, c'est les années millions d'années-lumière. Bah, oui, non, mais en fait, le trou noir, c'est la mort. Hein. C'est à 50 millions d'années-lumière, Bernard. Oh là là, on pourra répondre, vous voyez. Imaginez. Et alors, c'est pas une simulation, là, hein, ni une vue d'artiste. Non, 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 c'est un objet bien réel, situé au cœur de la galaxie M87, vous voyez. Oui, M87. La fameuse. Hein. La fameuse, ouais. Non, mais avec là, on nous fait des articles, on ne comprend rien quand même. Ah oui, bah, c'est parce qu'on n'a pas été éduqué pour, vous comprenez. Ah oui. À l'école, on nous apprend des conneries qui ne servent à rien. Les Bogdanov, ils ont essayé de nous expliquer avec Tariq, regarde comment ils sont devenus. La question concerne un animal que vous devez retrouver, qui fait partie de la famille des pleuronectiformes. Oh la vache. Oui, pleuronectiformes. Merci monsieur Perroni. Les pleuronectiformes, et qui, alors c'est sa particularité, peut quand même vivre jusqu'à 27 ans. Quel est cet animal ? C'est dans l'eau. C'est dans l'eau. C'est un hippocampe. L'hippocampe, non. C'est un mollusque ? Un mollusque, non. L'éponge. L'éponge. Est-ce que le pleuronectif dans l'eau de mer ou dans l'eau douce? Dans l'eau de mer. Non. L'étoile de mer? Étoile de mer, non. La méduse. Est-ce que c'est pas ce joli petit coquillage qu'on appelle l'oursin? Le pleuronectiforme. L'oursin, oui. Le couteau. Le couteau, non. Le Bernard Lermite. Ça se mange? Ce n'est pas un coquillage. Est-ce que ça se mange? Ah, c'est pas un coquillage. C'est plutôt un poisson. C'est un poisson. On le mange beaucoup. Alors. Ah, on le mange. On aime bien la sardine. On aime bien ça. La raie. La raie. Vous aimez bien manger la raie? Oui, j'aime bien manger la raie. Attention, ça va déraper, là. Je le sens. Avec du beurre. Noir, bien sûr. Eh bien, non. C'est le thon. Le thon, non. Est-ce que c'est un gros poisson? Est-ce que c'est le saumon? Le maquereau. C'est un gros poisson? Ce n'est pas un gros poisson puisque c'est un pleuronectiforme. C'est pas l'éperlan. Ah, attendez, rectiforme. On en fait des frites. Il est carré. C'est un poisson pané. Pané. Parce qu'on en fait des frites. Ce serait pas un poisson pané qui vit 27 ans. Ouais, un croustibate. Est-ce qu'il est moche? Est-ce qu'il a une tête, vous voyez, genre le Saint-Pierre, c'est pas beau, quoi. Ah ouais, on le mange. Je compare pas la gueule des poissons, vous voulez que je vous dise. Ouais, moi non plus, parce que je la connais pas. Si vous faisiez plus la queue de course. On le mange ou pas? On le mange, mais ça pour le turbo. C'est une anchois? On le mange. Est-ce que c'est du loup? On le mange. Il est dans la bouillabaisse ou pas? On le mange. On le mange. Ah non, il y a, on le mange. On le mange. On le mange. Il y a quelque chose dans le mange. C'est le bar. C'est pas la rascasse, non? Non, c'est pas le bar. C'est pas la rascasse. Il y a un jeu de mots dans on le mange? Non, 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 non. Non, je me marre parce que ça fait trois poissons que je réponds pas à Bernard Mabille. Elle fait la gueule. Mais c'est marrant. Je m'en étais même pas rendu compte. Le poisson portugais, le carlet? Non. C'est moi. Est-ce que c'est pas là? C'est un poisson plat? Ah oui, puisque c'est un pleuronectiforme. Ah, c'est la seule alors. Et c'est la seule. Bonne réponse de François-Olivier Gisbert. Vous n'aviez pas dit la seule, monsieur Mabi. Non, j'ai dit d'autres choses. Vous avez dit le rouget, vous avez dit... Que des trucs à la con. Je vous laissais dire, tandis que c'est la seule qui vit. J'adore la seule. Elle vit 27 ans, la seule. Sauf quand elle est pêchée. Comment vous faites les seules, vous, Caroline? Elle est fait. Moi, je fais les seules avec du mire... Avec Caroline. Et un balai brosse, oui, d'accord, mais je vous parle, comment vous les cuisinez, vous voyez? Non, je cuisine pas la salle. Ah, c'est bon, j'adore ça. Moi, je fais ça très bien, alors. Ah, c'est vrai? Tu les mets dans la farine? Oh, je vous ai déjà fait des sols, je suis sûr. Non, si. Non, pas nous, à d'autres personnes. À d'autres amis, des bras. Vous, je vous en ai fait à Marseille, je vous ai fait des sols déjà. Moi, vous m'avez fait des pâtes. Non, je vous ai fait des sols avec la petite sauce salsa verde, moutardée, cornichonnée. Une recette Jamie Oliver, je suis sûr, je sais faire que ça, alors franchement... Ah oui, parce qu'il en avait acheté qu'une et comme on était quatre, il l'a photocopiée.
Moi, je la fais paner dans la farine. Ah oui. Et après, je la fais griller dans un mélange huile-beurre. C'est de l'huile meunière. La seule meunière. Exactement comme ça, je la fais aussi. Mais après, avec la petite sauce un peu. Avec la petite sauce verte, salsa verde. Jamie Oliver, il n'y a rien de meilleur. Oui, mais alors, il y a des gens qui cuisent le poisson et qui le laissent un peu transparent. Et il paraît que c'est comme ça que ça doit se cuire. Il faut qu'elle soit rouge à l'arête. Ah non. Ah non, il faut que ce soit blanc rouge à l'arête. Vous la faites rouge à l'arête, vous, Laurent? Je vous la ferai rouge à l'arête. Non. Non, mais ça peut être rouge à l'arête que si tu Je ne peux plus rien dire. Non, mais reconnais que ces questions sont... Tu cherches un peu. Il a raison. Mais une bonne sole doit être rouge à l'arête. Non, mais ça, c'est les grosses soles, parce que les soles portions, tu ne peux pas les faire rouge à l'arête. Ah, tu parles des solettes, toi. Ah, le pauvre Bernard. Mais tu la cuisines, toi, ta sole, Bernard? Bah oui, j'adore ça. T'adores, c'est bon. Meunière, très légère, sans trop de matière grasse. Pas comme lui, tu vois. C'est vrai que Bernard, c'est exactement le contraire d'une sole. Les soles se font aussi à la plancha, je vous signale. Oui, c'est bon. Oui, mais la plancha. Et tu sais que quand la sole naît, elle a pas les yeux du même côté. Elle a un œil de chaque côté. Oui. Ouais, c'est quand elle grandit qu'elle a les yeux. Donc Jean Rouca, c'est une seule. Voilà. Oh, Jean Paul. Quand tu la regardes, elle a les yeux comment, c'est-à-dire, je comprends de pas. Chaque côté, tu sais, une, de chaque côté, de chaque face. Au début, elles ont chaque face, et en grandissant, elles ont les deux sur une seule face. Ah oui. Voilà. Alors, il faut que je regarde une seule en rentrant chez moi. Mais déjà, il faut que tu en trouves une petite qui a les yeux de chaque côté. Puis moi, après, je l'ai fait avec une petite sauce verte, c'est très très bon. Ça. Ça.